Kia ora nā. Kia ora nā tātou I te whariri rei te pupu. Whea I ore I whariri hia. Ia mai te ia toa oto I te ienei mataiti api, piti tautini e horu e mapiti. Ia pū te ae, meilleur vœu de réussite. Kia ora nā, pretitini o maho inui. E te mō Padre Hau. Kia ora nā, whea I maiti hea e te nuna, o maho inui. Kia ora nā, te mō Papa I wea. Bona ne. A papa I te parautia. Kia ora nā, tōt whea I mātai te meinei a tātou tēnei pēpū, nā roto I tēnei rāpe ao te roro wira. Te mou tāne, te mou heine, kia ora nā, te hamatara tā tātou uhupa, je declare la séance ouverte. Ka nina iau I tō tātou papa I parauhei, kia tai au mai te rata titaura. E te prete tini e, nā te rata no te auru, no te nuare piti tau tini auru mapiti, te titaura ahi ai te mou mero o te aporarhei o te whenoma tau I e te omeni. E te mou mero no te aporarhei, te veine e te tāne. E mana onor atu nā u I te whararai atu I au uei. E tupu te ruru a mata mua, a te aporarhei nā tana tau ruru a tā e, I te monire auru mā, Nō 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 tēnuare, piti tau tēne oruma piti, I te huraiwa I te poipoi. A whari me I te maumero, nō te apura rei, te reine, te tāne, I te tāpo anō tū, apura I a otou. Tāri mahi anā pukere te tēne, shaki dole. Maruru mai te e, te papa I praurhe, te anine iau I a oe, a tei au mai, tei o automauti ei tē mai. Algon e mā reine, wa mai. Alfa te ari tāne, wa mai eri. Sabrina, Birk. Reine Wamaeri, Bob Dupont Tamara Tamara Teune, Bissou Jean-Christophe Tani, Watemei, Brodien Rosine, Reine Wamaeri, Chave Daphne Reine, Watemei, Cross Valentina Reine, Watemei, Drôle Jacqui, Watemei, Flos Gaston, Wamaeri, Fribourg Joël, Watemei, Fritch Edouard, Watemei, Gal Nominari Reine, Watemei, Anderson Georges, Watemei, Irshan Nutevene Otemei, Iriti Teura Otemei, Izal Hefara Omeri, Jennings de Tony Patricia Otemei, Kaute Benoit Omeri, Komoitini René Otemei, Lison Marcelin Omeri, Mamato Victor Otemei, Manutei Livia Gani Sandra Omeri, Mareia Ima Omeri, Mareura Teina Otemei, Maritra Gimeroto Lilian Otemei, Mataua Leoni Watemei, Mataua Mairon, Watemei, Mati Juliana, Watemei, Merceron Armel, Wameri, Olivier Maris, Watemei, Opa Afuanik, Wameri, Parker Eleanor, Watemei, Paulette Ekinui, Watemei, Raputo Jean-Marius, Watemei, Richton Monique, Watemei, Rivetta Frédéric, Wameri, Omataro Ferno, Watemei, Sage Maina, Wameri, Gilles Philippe, Wameri, Tama Françoise, Watemei, Tani Thérèse, Watemei, Tonso Robert Watemei, Chunturoro Wameri, Te Wharerei Ruiti Watemei, Te Miharo Rene Watemei, Serimate Ruben Watemei, Tiripayamita Wameri, Te Roatea Silvian Wameri, Te Tuanui Lana Wameri, Te Ura Justine Watemei, Tonson Gaston Wameri, Tuahu Ismael Watemei, Tushobuya Catherine Wameri, Kutia Damas Watemei, Venodon Beatrice Wameri, Venodon Clarence Wameri. Maruru mai te ei, te anine iau, ia oe, ia tei o mai, te mō mai ki rata ti au te I whatahia mai. Pritini te ei, te mō parautatia te hamanahia. Nā Opa Afuanik, ia Juliana Mati, nā Tuahu Ismael, ia Cross Valentina, ia Tushobuya Catherine, ia Marise Olivier. Na Brodien Rosine, il y a Daphné Charret, na Tonson Gaston, il y a Robert Tonso, na Flos Gaston, il y a Edouard Fritch, na Isa Leifara, il y a Komitini René, na Rivetta Frédéric, il y a Temiharu René, il y a Tétoni Lana, il y a Richton Monique, et il y a Benoît Conte, il y a Joël Prébeau.
Aruru maite, watame armel merceron, watame maina sage, watame emaldo, yatapohi otoratui ua, watame. Maruru maite, yanine yoi tatatu papa preurhe, yatai omai tatatu opuar atapur ohipa. Ma prititini teie temo, te opuar atapur hef amho hia, na temo prititini pupu ite mahana maham erine. Numara hoe, hamana mara ite opuar atapur ohipa. Numara piti hi opora ite hoe, proto papa, o te ho fai amano hi o mai te tapura tapiria hi o pora I te maurata I te tēne o panira I te maururura tā e te o panira I te rurura Maruru, te anine iau ia tatou ia whaari I tatou I te iene o puara tapura hupa tfea whaari ia whaitiri mai nea te tātoar a ua mana Maruru mai tei Aita A te vera te teifeia o te whaea muhu ore noa. I whaheiti na oe e te papai praurhei e aito Gaston ta Floss I te mei. E tata parheira ni oi tona parheira. Hoa horu. To oi e I oa, Gaston Floss to oi oi te imhana. Nā rira. On a declaré Gaston Floss absent, ya quelqu'un qui est assis sur son fauteuil. C'est prémonitoire, vous me direz, hein? N'est-ce pas? Hai oi oi harut parheira o te tata. Maruru mai tei. E, te anine iau, I te ienei teime, hi o poa tātou I tātou tāpura hepa numero toru. Piti tau tiri ahuru e māpiti. Inia I te ienei tumu prau, e te upuar ature I whātahia mai, e tō tātou tō whā I a risha tuha iawa, mena roto mai, I te tomitera teitei. Te anine iau, I a te ahe son, I a tei o mai tāna tāpura hepa. Maruru Pretiteni, o Choti Anderson, on anti tei o te tātou oipa. Nā rira, nā rutu I te anira, te a Choti, te a oera. Merci, Monsieur le Président. Par lettre numéro 9, la DRCL du 9 janvier 2012, le haut-commissaire de la République soumet à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française une proposition de loi relative au suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires français en Polynésie française. Cette proposition de loi a d'abord pour objet de répondre aux préoccupations des populations des archipels de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française au regard des conséquences environnementales des essais nucléaires réalisé sur les sites du Centre d'expérimentation du Pacifique, CEP, des atolls de Moruroa et de Fangataufa, à partir du 2 juillet 1966, date du premier tir à Moruroa jusqu'à ce jour. Il est précisé que, par délibération numéro 64-27 du 6 février 1964, la Commission permanente de l'Assemblée territoriale de Polynésie française a autorisé la cession des atolls de Moruroa et de Fangataufa à l'État. Son article premier dispose que sont cédés gratuitement en toute propriété par le territoire à l'État pour les besoins du Centre d'expérimentation du Pacifique les atolls d'Omanio, de Moruroa et de Fangataufa, situés dans l'archipel des Tuamotu. Ces deux atolls ont été classés par la suite dans le domaine public de l'État et affectés au ministère des Armées par arrêté numéro 1878 d'Homme du 4 août 1964, arrêté qui leur confère la qualité de terrain militaire. La protection juridique des sites d'essai a été renforcée par des arrêtés ministériels du 1er août 1980 portant classement de zones protégées de défense nationale. La proposition de loi qui nous est soumise pour avis vise ainsi à faire appliquer l'article 1er, alinéa 3, de la délibération du 6 février 1964 précité, au terme duquel, au cas de cessation des activités du Centre d'expérimentation du Pacifique,
les atolls de Mururoa et de Fongatofa feront d'office retour gratuit au domaine du territoire dont l'état où ils se trouveront à cette époque sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État. En effet, l'article 1 de la proposition de loi prévoit la rétrocession des deux atolls au domaine public de la Polynésie française à compter du 1er janvier 2014. Par ailleurs, ce même article dispose que l'État poursuit de manière pérenne la réhabilitation environnementale ainsi que la surveillance radiologique et géomécanique permanente des deux atolls et qu'un décret en Conseil d'État fixe, après avis de l'Assemblée de la Polynésie française, les modalités de cette assistance. L'auteur de la proposition souhaite, à travers ces dispositions, que le dispositif ainsi prévu ne soit pas susceptible de créer une charge supplémentaire pour le budget du pays. L'article 2 de la proposition de loi prévoit, en outre, que sur le territoire des atolls de Mururoa et de Fongatofa, le fait pour toute personne physique ou morale d'entreprendre des activités de recherche à des fins militaires est puni de 15 années de détention criminelle et de 300 000 euros d'amende. Pour l'auteur de la proposition de loi, il convient de s'assurer qu'aucune activité de recherche à des fins militaires ne puisse être exercée sur les deux atolls de manière illimitée, condition sine qua non d'une rétrocession réussie. L'article 3 de la proposition de loi précise que, pour assurer la radioprotection des personnes, le dispositif de surveillance radiologique et géomécanique prévu à l'article 1 sera assuré en coopération avec la Polynésie française et les communes de Toureia, des Gambiers, de Nukutavake et de Hau, dans le respect du principe de précaution énoncé dans la Charte de l'environnement de 2004. Par son article 4, la proposition de loi vise à poser le principe de l'intégration des risques environnementaux relatifs à la situation radiologique et géomécanique des atolls de Mururoa et Fongatofa dans les plans de prévention des risques majeurs en Polynésie française, dont la mise en place devra être assurée en coopération avec le pays et les communes de Toureia, des Gambiers, de Nukutavake et de Hau. L'article 5 de la proposition de loi a pour objet de créer auprès du Premier ministre une commission nationale de suivi des essais nucléaires. Cette commission serait composée de ministres chargés de la Défense, de la Santé et de l'Environnement ou de leurs représentants, du président de la Polynésie française ou de son représentant, du président de l'Assemblée de Polynésie française ou d'un représentant désigné, de deux députés de la Polynésie française, de deux sénateurs de la Polynésie française, des maires des communes de Toureia, des Gambiers, de Nukutavake et de Hau, de représentants des associations représentatives des personnels civils ou militaires en Polynésie française et de représentants des associations représentatives dans le domaine de la protection de l'environnement en Polynésie française. Il est indiqué que la répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement seront précisées par décret en Conseil d'État. Cette commission, comme le prévoit l'article 6 de la proposition de loi, aurait à assurer le suivi des questions relatives à l'environnement des atolls de Mururoa et de Fongatofa, de l'application de la présente loi. À cet effet, elle produirait tous les 3 ans un rapport présentant ce suivi des impacts et effets du réchauffement climatique sur la stabilité géomécanique et le relâchement de nucléides radioactifs dangereux provenant d'une part des couches souterraines de la couronne des deux atolls de Mururoa et Fongatofa
et d'autre part, des eaux de puits rebouchées à base de déchets radioactifs en contact avec l'eau lagonnaire. Enfin, la proposition de loi prévoit, en son article 7, que les dépenses de l'État résultant des dispositions qui précèdent sont compensées par une majoration à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts. Il convient toutefois de préciser que lors des travaux de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat, la présente proposition de loi a été amendée par les sénateurs Richard Ouéava et Roland Courteau, le rapporteur au Sénat de la proposition de loi, dont voit le texte de la Commission enregistré le 11 janvier 2012, annexé au présent rapport. Ces amendements sont venus préciser certaines dispositions de la proposition de loi. Nous relèverons qu'à l'article 3, il est désormais prévu que les modalités de la coopération entre l'État, le pays et les communes concernées soient déterminées par convention. Quant à l'article 6, il a été modifié en reprenant certaines dispositions existantes relatives aux commissions locales d'information, CLI, pour les installations nucléaires civiles ou aux commissions d'information, CI, pour certaines installations nucléaires militaires, afin d'améliorer l'information et la publicité des travaux de la Commission nationale de suivi des essais nucléaires, et ainsi assurer la meilleure transparence possible à destination des populations et contribuer à restaurer leur confiance. Au regard de ces éléments, nous proposons, les deux rapporteurs à nos collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie, de la gestion du domaine public, d'émettre un avis favorable à la proposition de loi présentée. Maruru Maidei, et Miro Porarhei, Chotian Desson, et le traité rurur atmo prétitieni pupu, pof at ahia, ou ehrue mape minitin an yeit pupu tateit hei, ja amuhiat et ator atin yeit faito ho ehora et afa, et ja nine yeit et ja te pupu jaurate fenua, me te pete veratona mano, mai nasaj. Watamei Armel Messeron et watamei Sandra Levi Agami. Maina tia oera. Maruru peretiteni. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Yorana. À l'occasion de cette première séance de l'année, je voudrais quand même vous adresser mes meilleurs vœux. Et parmi ces vœux, je souhaiterais formuler celui de nous réunir en 2012 pour des journées un peu plus remplies que celles d'aujourd'hui, Monsieur le Président, parce que ça fait cher la séance. Enfin, c'est vrai, il n'y a qu'un seul projet inscrit à l'ordre du jour, mais il est clair aussi que ce sujet, bien qu'il ne nous paraisse pas des plus prioritaires dans le contexte actuel, particulièrement morose, c'est vrai, ça reste un sujet qui, quand même, a le mérite de s'atteler à une cause qui doit tous nous concerner, celle de la prise en compte des conséquences environnementales des essais nucléaires français en Polynésie. Alors, je tenais, avant d'exprimer un petit peu mes remarques sur ce texte, je pense faire un petit rappel quand même de ce qui s'est passé. Parce que jusqu'à ce week-end, je vous avoue que ce sujet, à mon grand regret, a soulevé beaucoup de questionnements de base au sein de la population, nous demandant presque, est-ce que vraiment il y a des conséquences environnementales ? Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute à ce sujet et à ce titre, donc, il est important de faire quelques rappels. En effet, il y a eu 188 tirs entre 1966 et 1995. Il y a eu 41 tirs atmosphériques, 147 tirs souterrains. Ce n'est pas rien et forcément, il faut quand même le rappeler, il y a de fait des conséquences. Alors, une autre question qui revient souvent aussi, qui est revenue souvent ce week-end, c'est « Mais alors, qu'est-ce que les Polynésiens ont fait pendant 30 ans ? Comment se fait-il que
Effectivement, ces essais se sont faits en Polynésie française. Est-ce que les Polynésiens ont fermé les yeux au nom du développement économique? Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous vraiment en droit, moralement, de se poser ces questions et de demander réparation? Là aussi, en préambule de mes remarques sur ce texte, je tiens aussi à rappeler que, dès le départ, beaucoup de gens méconnaissent cette partie de l'histoire et je vous encourage à tous vous replonger dans ces documents historiques qui sont d'ailleurs en lien sur le site de l'Assemblée, sur le site mururoa.org. Allez-y, vous avez énormément de documents historiques qui démontrent que bien avant le début des essais nucléaires, il y a eu de nombreux doutes qui ont été émis par des Polynésiens, par des associations, par des mouvements religieux, par des écologistes, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Certes, il faut le rappeler, nous étions dans un contexte colonial encore très fort, et c'est vrai que malgré ces réticences, il y avait le pendant de ces essais nucléaires, et je dirais qu'à coup de grosses stratégies de communication rassurantes de la part des dirigeants de l'époque, à coup de, je dirais, de belles lumières pour parler du développement économique de la Polynésie française, il faut l'avouer, il me semble que finalement, beaucoup n'ont pas résisté à cet ambitieux programme politique et économique qui, certes, était au profit d'une certaine forme de développement pour notre pays, mais aussi, et le temps l'a prouvé, au détriment très clair de milliers, de la santé de milliers de travailleurs et de civils, mais aussi au détriment de notre environnement et plus particulièrement de ceux des atolls qui ont servi de base à ces essais. Je crois que on ne peut plus se permettre aujourd'hui de nier ces faits. Après des décennies de questionnements, après des décennies aussi de contestations, de doutes, il faut le dire et il faut le saluer, un pas important a été réalisé lorsqu'en 2004, une commission d'enquête parlementaire a été créée sur les essais nucléaires. Cela a très clairement engagé l'État aussi dans une action de transparence qui a permis en 2006 la publication d'un rapport par le ministère de la Défense intitulé « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie française ». Et ce rapport, que je vous recommande également, est malheureusement venu confirmer nombreux de ces doutes. Voilà, je vous le dis, je crois aussi que ces documents et ce changement a été une véritable onde de choc pour la Polynésie. Ce rapport a levé le voile sur une partie de notre histoire commune. Et il me semble que depuis, la cause pour la reconnaissance du fait nucléaire s'est quelque part démocratisée, et localement et sur le plan national. Mais il me semble aussi que la concrétisation de cette reconnaissance par des actes de réparation aujourd'hui s'impose. Des actes clairs, des actes conformes aux demandes, des actes efficaces. Alors, que s'est-il passé depuis? Il y a eu, certes, un premier aboutissement en 2009, il faut le dire, grâce à la loi Morin, qui, en son titre même, pour la première fois, reconnaissait officiellement les conséquences sanitaires des essais nucléaires. Malheureusement, au-delà du titre de cette loi, son application est plutôt décevante d'abord pour les familles, pour les victimes, mais aussi décevante pour les Polynésiens. Elle est décevante parce que sa portée a été totalement inefficace, on le voit aujourd'hui, au résultat, près de 2 ans plus tard. Alors, à ce sujet aussi, je voudrais rappeler qu'en mai 2009,
L'Assemblée de Polynésie avait voté à l'unanimité, moins un, un avis favorable sous réserve de plusieurs remarques qui sont très claires et dont une grande partie n'ont pas été prises en compte par l'État et par notamment le ministère de la Défense de l'époque, M. Morin. Je parlerai tout d'abord, il y avait 7 ou 8 points qui étaient évoqués. Il y a notamment l'insuffisance sur la liste des maladies, il y a la nécessité d'élargir les zones géographiques, il y a également la nécessité de plus de transparence au sein de la commission d'indemnisation par la présence, entre autres, de représentants locaux, d'associations locales. Et, très important, je vous rappelle aussi que dès 2009, notre Assemblée à l'unanimité, moins un, avait demandé dans cet avis, que nous avions tous travaillé ensemble, avait demandé à ce qu'un nouveau projet de loi soit lancé sur les conséquences environnementales. À cette demande, quelle a été la réponse du ministre Hervé Morin de l'époque, qui a d'ailleurs avait été interviewé par notre Tahiti Press, interview inaccessible, malheureusement, aujourd'hui, mais dont j'avais heureusement une copie papier. Une réponse toute simple d'Hervé Morin qui disait « Mais de quelles conséquences environnementales parlons-nous » Quelles conséquences? Il n'y en a pas, tout va bien. On a nettoyé, j'ai mis 7 milliards de francs CP. Quelles conséquences? Ce qui avait valu d'ailleurs un tollé général. J'avais été personnellement très choquée. Toute la délégation qui était allée à Paris soutenir ce texte également. Et pourtant, vous voyez, 2 ans plus tard, que s'est-il passé? Le même cabinet, le cabinet de M. Hervé Morin, en déplacement en Polynésie avec Julien de la Gravière, a confirmé qu'il y avait bien des conséquences environnementales, dont le risque de l'effondrement d'une partie de l'atoll. Je crois qu'il est important de rappeler à nouveau l'ensemble de ces points, parce que vous comprendriez bien, cela permet quand même de bien comprendre tous les doutes qui persistent dans l'objectivité parfois des décisions qui peuvent être prises. Oui, Moruroa et Fangataufa sont de véritables, il faut le dire, décharges nucléaires. Ces deux atolls contiennent 147 puits de tir remplis de déchets qui sont en partie vitrifiés et qui renferment toutefois près de 500 kg de plutonium. Au cours des 30 ans d'essai, le ministère de la Défense a reconnu en 2006 que sur 147 tirs, 41, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est un tiers des tirs, 41 sur 147, ont représenté un risque clair. 41 des tirs n'avaient pas été, je le cite, contenu, entraînant une voie d'échappée de gaz et haute matière radioactive vers la surface des sols et des lagons. Un tiers des tirs, je vous le dis, représente un risque environnemental. Plus grave encore, ces accidents ont fragilisé la stabilité des atolls, ce qui a entraîné un affaissement d'ores et déjà d'une partie de Moruroa, qui, dans les 2 siècles à venir, au plus tard, selon les experts, s'effondrera. On ne se pose pas la question aujourd'hui, on ne se dit pas « est-ce que ça va s'effondrer ou pas s'effondrer ?» Tout le monde s'accorde à dire que ça va s'effondrer. La seule question, c'est quand. D'où le suivi radio géomécanique permanent de cet atoll. Voilà, Julien de la Gravière, je terminerai là-dessus, le disait encore, récemment, il faut accepter le fait que ces atolls qui ont été utilisés pour des essais sont dans des conditions irréversibles. Ils n'ont jamais été habités, et ne devront jamais l'être. 2 ans plus tard, nous voilà donc réunis sur ce nouveau volet fondamental dans la reconnaissance des conséquences des essais, celui des conséquences pour notre environnement.
pour l'environnement de ces deux atolls et ses alentours. Alors, vous comprenez bien que, au-delà des polémiques qu'il peut y avoir autour de ce texte, c'est un sujet plus que sérieux et qui a des conséquences graves pour l'avenir de nos enfants. Et lorsque je lis la proposition du sénateur Richard Touheyava, malheureusement, je suis un peu perplexe face à l'importance de ce sujet lorsque je lis cette proposition. Il y a de très, très nombreuses inquiétudes. Au-delà de la forme, puisque vous savez, le texte nous est arrivé le 10 janvier, de manière un peu cavalière, des mains de l'État, je tiens quand même à le dire, les élus n'ont pas été associés officiellement à ce travail, ce que je regrette, je tenais quand même à le dire. Au-delà de ça, c'est vrai quand même que sur le fond, le ministre de l'Environnement est présent aujourd'hui, bon, je pense que ses collègues pourront peut-être plus nous éclairer, ou le président lui-même. Nous avons, je dirais, trois questions fondamentales sur l'efficacité de ce texte. Parce qu'on ne voudrait pas une loi Morin bis. Premièrement, en matière de réhabilitation, la loi ne prévoit pas le déclassement du site pour permettre justement une application régulière du droit commun national en matière de traitement des déchets nucléaires. La loi, dans sa rédaction, laisse à penser que nous nous satisfaisons des travaux actuels de réhabilitation, demandant d'ailleurs dans son article premier à l'État, entre, je cite, « de poursuivre ces travaux ». Alors, poursuivre, ça peut tout vouloir dire. J'espère que vous me comprenez, mais pour nous, ce qui est réalisé aujourd'hui sur ces atolls, certes, est un premier pas, mais encore insuffisant. Le fait de laisser dans cette loi un article aussi vague en disant « l'État poursuit », quelque part, c'est comme si que nous étions d'accord avec ce qui est en train d'être fait et qu'on disait à l'État, s'il vous plaît, continuez à faire ce que vous faites, c'est bien. Pourtant, au sein du COSEN, très souvent, nous nous battons pour plus de transparence sur les travaux, pour plus d'exigences aussi sur le type de travaux qui sont réalisés. Est-ce qu'il n'est pas temps de demander au travers de ce texte que des budgets exceptionnels de recherche soit consacré pour évaluer un vrai programme de réhabilitation qui permette la meilleure qualité, merci Monsieur, de traitement des déchets, voire une totale réhabilitation ou un total scellage des sites. Deuxième point sur la surveillance. Bien que le texte prévoit un renforcement de la coopération entre le pays, les communes et l'État à ce sujet, il précise quand même que les missions d'expertise resteront aux mains de la Défense, alors qu'au sein du COSEN, régulièrement, nous plaidons pour une étude indépendante, une expertise indépendante. J'insiste particulièrement sur ce point, parce que malgré les révélations de 2006, de nombreuses zones d'ombre persistent sur l'état réel et l'état actuel des remontées radioactives sur ces atolls, mais aussi, pas que sur ces deux atolls, sur d'autres zones de la Polynésie française, et aussi sur les trois zones d'immersion des déchets. Parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en dehors des puits qui sont de véritables décharges, sachez que notre océan est déjà aussi, aux alentours de ces atolls, de véritables décharges. Parce que tous les déchets, et radioactifs et non radioactifs, en partie ont été immergés dans ces zones. Le texte n'en parle pas. Bon, il y a d'autres points soulevés. Je conclue, Monsieur le Président, sur le point pour nous le plus important de ce texte. Ce texte prévoit la restitution de Mururoa et Fangataufa. Alors, en commission, on nous dit, mais ne vous inquiétez pas, c'est purement symbolique parce que le site va toujours rester un site classé défense. C'est ce que M. Bruno Barillo, votre expert en la matière, nous a répondu. La vraie question, c'est quel objectif, quel intérêt
Deuxième question fondamentale, qui va payer? À notre sens, le texte n'est pas assez clair et précis sur la responsabilité pleine et entière de l'État dans la prise en charge du coût à la fois des actions de prévention dont on vient de parler, de la surveillance, mais aussi de la réhabilitation de ces zones. Je vous assure, je vous invite à relire cette loi. Pouvons-nous imaginer de préciser, de demander dans notre avis à ce que nous puissions avoir dans le texte même de la loi un article très précis sur cette prise en charge? À plusieurs reprises, le texte a laissé insinuer des questions de coopération, d'assistance des communes et du pays. Êtes-vous certain, avez-vous toutes les garanties que cette restitution n'engagera pas des coûts supplémentaires pour notre pays? Voilà, vous l'aurez compris, pour nous, la question, ce n'est pas de remettre en cause un cadre légal au suivi des questions environnementales, mais bel et bien d'évaluer l'efficacité des mesures qui sont proposées aujourd'hui et surtout de garantir une prise en charge totale de l'État des coûts qui seront engendrés. Pour l'instant, ce texte ne nous semble pas offrir ces garanties. Mais si, malgré l'urgence dans laquelle ce texte est arrivé, nous pouvions en discuter aujourd'hui, nous serons ouverts au débat. Parce que je crois qu'au-delà de ces questions qui sont des questions préalables indispensables, on ne peut pas, bien entendu, je dirais, passer à côté la possibilité aujourd'hui d'avancer sur cette reconnaissance des conséquences environnementales des essais nucléaires. Je vous remercie. Maruru maitei mai na saj. I te mea mataiti api, o propro o e piti ahuru miniti. Ie, o toi whaino aho ia. Maruru, te anine iau i te tia o te mana o te momutu. Whahiti mei tona mana o Eleanor Parker. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pays... Madame la ministre, messieurs les ministres, chers collègues, chers journalistes publics, internautes de RANA. Alors, les essais se sont réalisés, je cite, sans que nos concitoyens se rendent réellement compte pour autant de l'impact que ces essais nucléaires avaient sur le territoire de la République où ils avaient lieu. Et force est de constater que l'histoire de l'implantation du Centre d'expérimentation du Pacifique, la mémoire des essais nucléaires et la connaissance de leur impact sur l'environnement et sur la société polynésienne demeurent peu connues et insuffisamment transmises. Il revient à l'État français de poursuivre la surveillance radiologique géomécanique des atolls de Mururoa et Fangataufa. Il revient également d'amplifier ses efforts de dialogue et de concertation afin d'éviter les malentendus et les craintes et le sentiment, justifié ou non, que le secret défense masquerait des réalités peu avouables. Ces quelques lignes qui pourraient venir de notre président sont en réalité tirées du rapport du sénateur Roland Courteau sur les conséquences environnementales des essais réalisés chez nous. Ces mots sont en droite ligne avec les préconisations du Conseil interministériel de l'Outre-mer tenu le 6 novembre 2009 qui, pour répondre à un désir de mémoire de la population polynésienne sur la période nucléaire, préconisait notamment, je cite, « la promotion des atolls de Mururoa et de Hoa comme lieu de mémoire et comme lieu de connaissance scientifique et environnementale via des activités de recherche et d'observation ». Désir qui s'est encore exprimé, non seulement dans cet hémicycle, mais aussi à l'occasion des États généraux de l'Outre-mer. Il doit y avoir une reconnaissance concrète des conséquences sanitaires, environnementales et économiques de cette période. Sur le volet sanitaire, la loi du 5 janvier 2010, dite Morin,
a, de l'avis même des élus nationaux, mis en place, je cite, mis en place un mécanisme dont l'application ne donne guère satisfaction. Elle doit donc évoluer. Et nous espérons que le sénateur Touhéava aura l'occasion de revenir sur ce point à l'occasion du débat sur le volet environnemental sur lequel nous rendons aujourd'hui notre avis. Je tiens déjà à préciser que cette proposition de loi représente une avancée au regard des dispositions en vigueur qui, datant de 1964, indiquant, alors je cite, « cas de cessation des activités du CEP, les atolls de Moruroa et de Fangataufa feront d'office un retour gratuit au domaine du territoire dans l'état où ils se trouveront à cette époque sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État. » Ces dispositions proprement hallucinantes datent d'un autre temps. Je ne peux pas imaginer que la France se fourvoierait dans cette voie en nous laissant en contradiction avec ses engagements internationaux la charge de réparer et de surveiller les dégâts environnementaux causés par ces 40 années d'essais sur notre territoire. Il faut aussi faire une précision. D'abord, le CEP n'a pas cessé ses activités. Donc, il n'y a aucune obligation pour l'État de respecter les dispositions de 1964. Cette loi prend donc le relais. Ensuite, le retour au domaine du pays ne concerne que les parties terrestres des atolls, donc celles immergées. Donc, on ne parle ici que de rétrocession partielle du domaine pour permettre à ce que des recherches scientifiques autres que militaires puissent mener. Entre nous, pensez-vous que les habitants des îles Tuamotu souhaiteraient récupérer des terres souillées par des déchets radioactifs? Je ne pense pas. Alors, il y a encore 10 ans, personne n'aurait cru possible que de telles choses puissent être actées. Tout cela va donc plutôt dans le bon sens. Car si les élus que nous sommes doivent tendre sur l'exemplarité en matière de gestion des deniers publics, l'État se doit, lui, à l'excellence dans sa communication et sa gestion des conséquences environnementales et sanitaires des essais, il ne peut être autrement. L'élu qui s'y refuserait commettrait, à mon sens, un déni d'histoire et de démocratie et trahirait l'idéal républicain de la nation française. Certes, le sujet n'est pas la seule priorité de notre population, mais qui osera dire qu'elle n'en fait pas partie. C'est vrai aussi qu'il y a un certain paradoxe à localiser le dispositif à ces deux atolls, alors que nous visons sur les conséquences sanitaires, un élargissement à l'ensemble du territoire. Il faut donc veiller à ce que les recherches scientifiques soient, en tant que de besoin, étendues à des zones bien plus larges. Le texte aurait dû également faire l'objet d'une plus large concertation, comme disait notre collègue Meïna Sage, avec l'ensemble des groupes parlementaires locaux. Des interrogations subsistent qui auraient dû être levées par la discussion. Néanmoins, la lecture du rapport sénatorial, dont je viens de citer quelques lignes, apporte un grand nombre de réponses scientifiques, de réponses à la portée de ce texte, notamment sur le plan financier. Et puis, il y a des opportunités qu'il ne faut pas rater. En effet, le 11 mars 2011 a conduit à repositionner le nucléaire au cœur du débat politique national. Cette date est celle de la catastrophe nucléaire de Fukushima, la plus importante depuis 1986 et l'explosion de la centrale de Tchernobyl. L'appréhension des populations quant aux risques liés à l'utilisation de l'énergie nucléaire a totalement changé. Elles s'en demandent de plus en plus de transparence et certaines ont même pris la décision d'en sortir. On nous dit par exemple aujourd'hui que les îles concernées, à savoir Moruroa et Fangataufa, se situent dans des zones de reproduction des thons. Des scientifiques s'inquiètent par ailleurs d'avoir décelé chez certains de nos enfants des anomalies semblables à celles constatées chez les enfants de l'après Tchernobyl.
Enfin, une étude récemment publiée s'inquiète d'une proportion plus élevée de leucémie chez les enfants vivant à proximité des centrales nucléaires. Qui, dans ce contexte, peut se permettre de dire non à l'opportunité qui nous est offerte d'une plus grande transparence? Certes, il restera après le débat qui aura lieu mercredi au Sénat, l'étape de l'Assemblée nationale où la majorité est différente. Mais quel est l'élu national qui osera, dans ce contexte, refuser je cite, le droit et les aspirations des habitants de Polynésie française à mieux connaître la vérité sur cette part de l'histoire de France qui est d'abord et sera pour longtemps la leur? Car en réalité, nous n'en sortirons jamais. Cette fenêtre de tir ne se représentera pas de sitôt. Il faut la saisir et, au besoin, à l'occasion des présidentielles, ne pas hésiter à marquer l'opinion publique métropolitaine qui est très mal informée sur ce qui s'est passé durant les essais réalisés sur les atolls de Mururoa et Fangataufa. Donc, je félicite donc le sénateur Tuheava pour cette initiative que nous soutiendrons. Merci. Maruru Maite, Eleanor Parker. Oeha papur anatatu. Te yenei hapuet areo tatatu e veinei, e uhipa oia na rotui te rāwe o te wifi. Mi te pēu e whaatere o tuita o tōruru wirei piho, e tararari i propro. Te taparu nei au i atatu, hamatana te teit atai propro, mi te pēra te verata o tōruru wirei piho, tupoe. Ia nen he te mano ia whāro mai te hia. E aitara, whari me o tuia ue tau i te tātua ora, e kete hoa ia, na whea tōatua, maruru mai te, maruru mai te. Te anine eo i te tia aitata rātou e pupu, i manaua nei tō rātou, Sandra Levi-Agami. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président du gouvernement de la Polynésie française, les ministres présents, à tous mes collègues, une bonne année, bonne santé, beaucoup de bonnes choses pour toutes nos familles et surtout un service entièrement dévoué à notre population. Un grand bonjour également à la presse qui est présente aujourd'hui et à toutes les personnes qui nous suivent. Alors voici ce que j'ai pu lire dans le rapport de la Commission de l'économie du Sénat du 11 janvier 2012. C'est le rapporteur qui parle. En adoptant la présente proposition de loi, votre commission montre sa volonté de contribuer à la reconnaissance du rôle joué par la Polynésie française et à la gratitude de la France envers les Polynésiens qui ont accueilli en 1964, il faut bien le dire, sans concertation et en dépit d'une information très insuffisante, les essais nucléaires et qui aujourd'hui sont les premiers concernés par les conséquences environnementales. Lorsqu'on s'intéresse au fond du texte en toute objectivité et en dehors de toute polémique, on s'aperçoit que ce texte permet, outre le retour dans le domaine public de la Polynésie française, des atolls de Mururoa et de Fangataufa, le suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires français en Polynésie française, organisés de façon tripartite, État, pays et société civile, dans le cadre de l'institution d'une commission nationale, sans que, a priori, le budget de la Polynésie française ne soit impacté. C'est ce qui nous est dit dans le contenu du texte. Le souci que j'ai sur le fond du texte, et après je viendrai sur la forme, c'est quelle responsabilité pourrait engager la Polynésie française envers l'État dès lors que les deux atolls seront rétrocédés. Dans la mesure où ces deux atolls seront rétrocédés en l'État, que vous savez que quand il y a une transmission d'un bien d'un propriétaire à un autre, le nouveau propriétaire devient responsable du bien. Or là, imaginez que d'ici quelques années, ces deux atolls se dégradent. Comment faire après pour obtenir une indemnisation? C'est vraiment la question de fond que je me pose. Et à cette question-là, rien n'apparaît dans le texte. Lorsqu'on décortique la forme et notamment la procédure utilisée, on se rend compte que le timing de l'avis qui nous est demandé, enfin pour ma part, apparaît vraiment comme un choix stratégique politique. En effet, cette loi a été déposée au Sénat par le sénateur Tuheava le 10 novembre 2010, il y a plus d'un an et demi. Il arrive seulement aujourd'hui devant notre Assemblée pour un avis,
deux jours avant son vote au Sénat, détenu actuellement par les socialistes, et trois mois avant les élections présidentielles. Je trouve pour ma part que le contexte est hautement polémique. À l'heure où des chefs de famille ont perdu leur emploi, ne savent pas comment nourrir leurs enfants, à l'heure où le ministre de la Santé décide de condamner les Polynésiennes à mourir d'un cancer gynécologique pour des questions d'argent, alors que le gouvernement trouve de l'argent pour ses voyages, il nous est demandé de donner notre avis sur une loi qui, pour ma part, et c'est vraiment la vision que j'en ai, a une portée hautement électorale pour la majorité en place et pour le candidat présenté par les socialistes. À mon sens, et c'est là où j'ai été très divisée par rapport à la décision à prendre, est-ce qu'il faut soutenir, refuser comme certains l'ont annoncé ou s'abstenir, pour ma part, je pense que c'est vraiment une question polynésienne. Je regrette qu'elle soit instrumentalisée ces jours-ci par l'actuelle majorité. J'ai trop le respect des populations qui ont été touchées par les essais nucléaires et j'ai trop le respect des forces vives de la société civile qui se battent pour faire la lumière sur les conséquences de ces essais et sur l'indemnisation qui pourrait apporter aux victimes pour voter contre. Ça, je ne le ferai pas. Par contre, vu le contexte polémique, je m'abstiendrai. Je vous remercie de votre attention. Maruru Maitei, Sandra Levi-Agami, Tianine Yoitetia Ototato Aïa, Tveranet Manon, Robert Tonso Tiaoué. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, bien entendu, de saluer en premier lieu notre présidente du pays, ainsi que tous les collègues ministres, mes collègues élus. Et pour cette première intervention de la nouvelle année 2012, marquée par le dragon d'eau, qui va peut-être cracher du feu, je voudrais souhaiter à l'ensemble des Mero Apurarhei, Fatirihau, président, la presse, la population, tous mes meilleurs voeux de bonne santé avant tout, n'est-ce pas? Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, mes chers collègues, mesdames, messieurs les ministres, et mesdames, messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, et chers collègues, en premier lieu, je voudrais rappeler ici l'attachement indéfectible des Polynésiens à la France, attachement qui s'est manifesté à plusieurs reprises au cours de notre longue et féconde histoire commune. Tout d'abord, ce sont les Polynésiens eux-mêmes qui, en 1842, ont demandé le protectorat français par la voie de leur reine Eimatapomareka. Ce fut donc, dès l'origine, un accord mutuel qui lia les Polynésiens à la nation française. Et dès l'origine, la France garantissait par ce traité, je cite, « la souveraineté de la reine et l'autorité des chefs, ainsi que ce qu'on pourrait appeler une première ébauche d'autonomie, puisque le traité stipule que toutes les lois et règlements devaient être faits au nom de la reine et signés par elle, et qu'en outre, la possession des terres de la reine et du peuple leur était garantie. N'oublions pas non plus le beau et brave bataillon du Pacifique, comme l'écrivit si bien le général de Gaulle, au sein duquel beaucoup des meilleurs, selon son expression, quittèrent volontairement l'Océanie pour aller combattre en Afrique dans les forces françaises libres, montrant ainsi par ce ralliement leur attachement à la France. En outre, les Polynésiens sont attachés aux valeurs de la République française, qui, au-delà des cultures et des ethnies, a la volonté d'œuvrer pour le bien du plus grand nombre en veillant à l'égalité de tous ses concitoyens devant la loi. Les essais nucléaires font ainsi désormais partie de l'histoire de la Polynésie française. C'est pourquoi le président Tong Song avait alerté le président de la République sur la nécessité d'une franche reconnaissance de la France à l'égard de la Polynésie en matière de contribution à la puissance nucléaire de la nation. Car je suis convaincu que seule une reconnaissance de ce passé polynésien, fait d'incompréhension et de souffrance, permettrait d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Il est vrai qu'en mars 2011, après l'accident nucléaire au Japon, il avait également transmis dans un courrier au commissaire européen en charge de l'énergie, de l'environnement et de l'action pour le climat les inquiétudes qu'avait ravivées cette catastrophe au sein de la population polynésienne, et sachant que la Commission avait mandaté des experts indépendants pour une vérification de toutes les centrales nucléaires situées sur le sol européen,
Il avait également demandé que cette expertise européenne puisse s'appliquer également aux atolls de Mururoa et de Fangataufa, comme vous le voyez. Tutatuaya n'a pas attendu les échéances électorales pour attirer l'attention du pouvoir central sur le problème nucléaire en Polynésie française. C'est pourquoi nous pensons que la proposition de loi présentée par le sénateur et les membres du groupe socialiste n'apportera rien d'utile aux Polynésiens puisque ne vise qu'à tirer un bénéfice électoraliste. Et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises ce matin même, au profit du parti UPLD et de ses alliés socialistes. Premièrement, la loi prévoit la création d'une commission. Or, il n'est nul besoin de multiplier les commissions, puisqu'il existe déjà le Conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, le COSCEN. De plus, une commission peut être créée à tout moment sans nécessité d'une loi. Deuxièmement, nous pensons que la surveillance environnementale doit être portée au niveau de l'Union européenne, gage de neutralité dans l'expertise. Troisièmement, la loi n'apporte aucun bénéfice financier au développement de la Polynésie. Elle nous semble plus opportuniste que profitable à notre population et plus propice à engendrer l'aigreur et le ressentiment que l'espérance et la confiance à l'avenir. Le groupe Tutatuaya donnera donc un avis défavorable à cette proposition de loi qui ne contribuera en rien au développement de notre pays. Améador s'est déjà proposé au président de la République dans le cadre de notre participation au projet UMP 2012 que soit mise en œuvre une contribution de l'industrie nucléaire à des projets de développement durable en Polynésie, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui serait un juste retour des choses et représenterait un bénéfice concret pour les Polynésiens. J'ajouterai, pour répondre à certaines critiques pseudo-scientifiques, que la différence entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil est infime. D'où l'inquiétude internationale sur la construction de centrales nucléaires en Iran, et que les observations faites dans un cadre militaire permettent souvent des applications plus larges. Internet est une invention de l'armée américaine. Ce n'est donc pas un bon argument pour alléguer qu'il est impossible qu'Areva contribue un jour au développement de la Polynésie française. Et why not? Pour ma part, je peux vous garantir que j'emploierai, bien entendu, nous comptons sur le président Thong Son, de toutes ses forces à convaincre le pouvoir central de restituer à la Polynésie ce dont la nation a tiré avantage lors de ses expérimentations nucléaires en Polynésie en termes de bénéfices pour son développement. Je terminerai par les mots du général de Gaulle venu à Tahiti en 1956 à l'invitation d'Alfred Poreux, à l'honneur de Papeete, Tahiti là où elle est, entouré d'immensités invulnérables de l'océan. Tahiti peut être un refuge et un centre d'action pour la civilisation tout entière. Cette grandeur de notre pays qu'avait vu le visionnaire général de Gaulle, nous, responsables politiques, devons la rappeler aujourd'hui à la nation, laquelle doit continuer à marcher à nos côtés. Je vous remercie, Peritini. Yorana, te peritini io polinetti afrani. Yorana, farei dai te yemana, to ue mono peritini, atri hau hine. Tamo pa ei amui mai, yorana tu atatu. Papa pa ibea, yamai te ei, tatu tu tapura arhine. E te anua tu iti peritini, atapura arhe o polinetti afrani, yamai te ei tatu iti yamata iti api. Ya tupu tara tauira ta oi ti tau nuana mai tuma thaiti piti tau tini e mahana. Te tia turi reo teia tama thaiti. Piti tau tini hoi a horu mapichi. Ya tai ohia te upo oparau o te ie ture ta tatu i te ie mahana. Te parau maira e, te anihia maira tatu, ye horu a tatu i to tatu mana. Inia i tu e opuar a ture, nā te ho e maohi, I te whanhor a mai, te araid a, te hiopuar a, te mawhiwhi. En hen he e tupu en ihoi to tātou nātura, i muri ai te mō tamatamatara a atomi. I tupu i mururoa,
Fongataufa. Yatayo Yara, Tamu Idaway Moody Mai, Tamina Tawita Pamai, Rafaru, Apewe, where they Mururuama, at Ume, Hor Ome Natatu. Erawe Maitatu Iterida. What you are to do to a Tame Peritini? Fight it, I hear my Tavay Nate, you poor Aturan, our way, oh, Terat up Omoni. Miatato, mi faa, e tutte oe tui atira, notare oitana peu. Teye, natato e anire faha ume tra peu to e totato unima. Maite ore tutte i teu frani, noteye peu ta. Norira, ah, tomato hin aro e turu tei opuara wotiro, par haur hauru e teye ten. Aite hapora wa. Monsieur le Président, avant d'aborder sur le fond l'objet de la proposition de loi du sénateur Tourayeva, pour laquelle il nous est demandé notre avis, permettez-moi de faire quelques remarques. Tout d'abord, sur l'épaisseur du dossier, du rapport qui nous est transmis. En effet, en allant fouiller sur Internet, j'ai pu obtenir le rapport du Sénat, qui fait 40 pages. Et lorsqu'on prend le rapport qui nous est transmis aujourd'hui, il fait à peine 8 pages. C'est là toute la considération que vous avez de la représentation du peuple polynésien. Ensuite, nous sommes stupéfaits que l'ordre du jour de cette session extraordinaire ne comporte qu'un seul et unique texte. Alors que plusieurs projets intéressant plus directement les Polynésiens sont toujours en instance après avoir été étudiés en commission. Quand tous les Polynésiens doivent se serrer la ceinture, et beaucoup plus encore, dès que nous commencerons à ressentir les réels effets des nouvelles taxes, notre Assemblée continue de dilapider l'argent en convoquant toute la représentation pour l'étudier qu'un seul dossier. Cette session va nous coûter quoi? 850 000, 1 million de francs pacifiques, Monsieur le Président, à notre institution. Soit plus que les abonnements à la presse locale que vous nous avez supprimés, Monsieur le Président de l'Assemblée. Je sais que vous avez des problèmes avec les journalistes, mais enfin, quand même. Vous nous supprimez tous les abonnements à la presse locale et vous nous convoquez une commission qui vaut deux fois ces abonnements. Les Polynésiens, Monsieur le Président, ne cessent de nous critiquer en estimant que nous vivons dans notre bulle, en dehors du temps présent. Croyez-vous que nos compatriotes, dans leur grande majorité, pensent qu'il n'y a rien de plus urgent pour nous que de donner un avis? C'est une proposition de loi nationale qui, de surcroît, n'a fait l'objet d'aucun débat ni d'information au sein de la population. Les urgences sont bien ailleurs. Quand on apprend par le dernier bulletin de l'Institut de la Statistique que la Polynésie a détruit en 2011 près de 3000 emplois, portant ainsi le nombre réel des sans-emplois aux environs de 20 000 chômeurs. Les urgences sont bien ailleurs. Quand on sait que le nombre d'inscrits au RSPF ne cesse de croître pour atteindre bientôt 80 000 personnes, sans doute. L'urgence, elle est avant tout économique et sociale. Quand on assiste à ces tristes images qui ont fait le tour de la planète peu de temps avant Noël, des gens, des Polynésiens, obligés d'aller chercher de quoi se nourrir sur la décharge de Faa. Et croyez-moi, ce n'est pas démagogique, mes chers collègues, que de relayer ce constat. Les grands débats de société que nous a proposé votre majorité, Monsieur le Président, depuis sa prise de pouvoir en avril dernier, je vous pose la question, c'est quoi? C'est quoi? Ce n'est pas la mutation économique et sociale. Ce n'est pas non plus la constitution d'amortisseurs sociaux pour ceux qui n'ont plus rien aujourd'hui. Ce n'est pas non plus votre plan de rétablissement des comptes qui n'est qu'une fumisterie.
Tout ce qui intéresse votre majorité, c'est la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Et maintenant, la restitution d'une poubelle nucléaire. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Nos débats sont hors du temps. Gardez-les pour vos programmes électoraux, mais ne les imposez pas contre leur gré aux Polynésiens. Je dirais même que le débat que vous nous proposez aujourd'hui se fera également contre le gré des élus que nous sommes. Vous venez d'entendre les avis des uns et des autres. C'est exactement ça. À plusieurs reprises, ici même, nous avons vigoureusement protesté contre les saisines en urgence de l'État sur des projets de loi concernant la Polynésie. Rappelez-vous, lorsque nous avons été priés de nous prononcer sur la loi Morin, le peu de temps dont nous avons disposé et les dégâts qu'il y a eu après. Aujourd'hui, c'est pire encore. En tout et pour tout, nous aurons eu moins d'une semaine pour nous prononcer sur un texte qui engage l'avenir de la Polynésie. Et cela semble vous convenir. Le pire, c'est que ce texte émane d'un parlementaire polynésien qu'il a déposé au Sénat à la fin 2010, on vient de le rappeler au mois d'octobre 2010, et que ce même parlementaire n'a jamais pris la peine de nous réunir pour en discuter préalablement. Là, je voudrais reprendre à mon compte la réaction de votre ministre de l'Environnement, Jacques Briand, qui déclarait en commission, et je le cite, « Je comprends le sentiment de déconsidération de la représentation du pays. » Là, j'ai envie de dire « Quel tableau, Monsieur le Président !» On nous piétine. L'État nous demande hier un avis pour demain et vous applaudissez. Notre sénateur indépendantiste nous méprise et vous êtes content. Et après, vous allez hurler à New York pour demander qu'on nous respecte, alors que vous vous comportez comme une boîte aux lettres doublée d'une chambre d'enregistrement. Sur un sujet aussi grave, ce manque de dignité est pathétique. Venons-en maintenant plus directement à la proposition de loi qui nous est soumise pour avis. En premier lieu, il convient de savoir si les conditions de la rétrocession des atolls, telles qu'elles ont été prévues dans la délibération de la commission permanente du 6 février 1964, sont réunies. Ces conditions sont-elles réunies ? La délibération en effet prévoit, et cela a été rappelé dans notre rapport, qu'au cas de cessation des activités du CEP, les atolls de Mururoa et Fangataufa feront d'office retour gratuit au domaine du territoire. Les essais nucléaires ont bien cessé en 1996, mais comme le souligne bien le sénateur Roland Courteau, rapporteur au nom de la commission sénatoriale, et là je cite son rapport à la page 28, il dit ceci, les termes de la délibération prévoient une rétrocession non pas à la cessation des expérimentations, mais en cas de cessation des activités du CEP. Or, comme l'ont fait valoir les représentants du ministère de la Défense, le CEP a toujours des activités, bien que les essais nucléaires aient cessé. Madame Maïna Sage parlait de cette rencontre avec le ministre Morin il y a 2 ans, c'est exactement ce qu'il nous rappelait lorsque je lui ai personnellement posé la question du retour de Mururoa et Fangataufa dans le patrimoine de notre pays. Il se pose donc un problème juridique qui n'a pas échappé au rapporteur qui relève en page 29 que la rétrocession ne paraît donc pas une obligation juridique, disait-il. Mais elle est bien entendu possible si l'État français et la Polynésie française le considèrent souhaitable et s'entendent sur les termes de la cession. C'est dommage parce qu'il aurait fallu que tout le monde ait connaissance de ces déclarations pour comprendre
ce que je suis en train de vous dire en bon français. Mais nous n'avons eu que les trois premières pages du rapport de la Commission. Ces remarques, mes chers collègues, constituent à notre sens le principal écueil de cette proposition de loi, puisque dans les faits, son application relève du bon vouloir de l'État d'engager des discussions sur les conditions de la rétrocession. L'État gardera, quoi qu'il en soit, la main sur ce dossier. Dès lors, on ne peut que considérer que la proposition de loi du sénateur Tourayeva n'a qu'une vocation politique. Nous y reviendrons plus tard. Le deuxième écueil juridique soulevé par le rapporteur du Sénat concerne l'ampleur de la rétrocession. Je vous renvoie sur ce point à la page 29 de son rapport, dans lequel il note que la proposition de loi ordinaire qui nous est soumise ne concernera que la restitution de la partie terrestre des atolls et en aucun cas, au terme de l'article 188 de notre loi organique, la zone économique exclusive autour de ces atolls. Nous aurions donc bien la poubelle, mais avec l'interdiction de voir ce qui se passe autour de cette poubelle. Belle avancée, n'est-ce pas? Le troisième écueil soulevé par le sénateur Roland Courteau a, lui, été éludé dans les travaux du Sénat. Le rapport précise bien, page 27, que notre ministre de l'Environnement, absent, Jacky Briand, a indiqué que la rétrocession, si elle devait avoir lieu, devrait s'accompagner de garanties très fortes, telles que la déclassification militaire du site et son classement en installation nucléaire de base. En effet, le 1er août 1980, le gouvernement central a classé par voie d'arrêté Mururoa et Fangataufa en zone protégée de défense, relevant donc à la fois des dispositions du Code de la défense et du Code pénal. Ce statut n'est pas compatible avec les objectifs de transparence et de partage des informations visés par la proposition de loi. Et si les sénateurs ont éludé cette problématique, c'est parce que dans les faits, ils sont opposés à la déclassification militaire du site. On a la poubelle, mais pas ce qu'il y a autour de la poubelle. Et vous savez que lorsqu'il y a des vers dans une poubelle, ils ne restent pas dans la poubelle. Les vers sortent de la poubelle et on les trouve autour de la poubelle. Les sénateurs le savent, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas en parler. La raison nous en a d'ailleurs été directement expliquée en commission par M. Bruno Barillot. C'est une question de gros sous. Classer ces deux atolls en installation nucléaire de base reviendrait, en vertu de la loi de juin 2007, à faire application du principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire obliger l'État à payer ad vitam aeternam. Là encore, Monsieur le Président, vous m'avez fait attendre une heure. Oui. Les sénateurs, là encore, il faut être clair, Monsieur le Président, il ne s'agit pour l'initiateur de la proposition et les membres du groupe socialiste qui le soutiennent que d'un coup politique. Les sénateurs veulent bien nous restituer cette poubelle nucléaire, mais elle restera sous contrôle de l'armée et il n'est pas question de payer quoi que ce soit en cas de catastrophe. Ce qui a fait dire clairement à Barillot que la restitution reste donc bien symbolique. Quel est l'intérêt? Je vous pose la question, mes chers collègues. Quel est donc l'intérêt pour les Polynésiens de récupérer ces deux atolls? Nous savons que la majorité indépendantiste est attachée aux symboles idéologiques, mais sur cette question, je vous invite à garder la tête froide. La rétrocession impliquera
que le pays sera le seul et unique responsable des conséquences en cas de catastrophe. C'est bien le propriétaire qui devra assumer toutes les responsabilités, même si l'État continue à assumer ses missions de contrôle. C'est nous, la Polynésie, c'est nous, les Polynésiens, qui devrons assurer et assumer ses responsabilités financières et autres en cas de pépin. Et dans leur grande mansuétude, sous couvert de respect du partage des compétences, les sénateurs ont décidé de mouiller également les communes au titre de leurs compétences en matière de plan de prévention de risques. Tureya, Hao, Nukutavake, des communes qui ont les moyens, naturellement. Nous ne voulons pas assumer en lieu et place d'un État qui se serait dédouané avec notre bénédiction les conséquences des accidents qui pourraient survenir, d'autant que de tels accidents sont aujourd'hui plus que probables, au dire même des experts. Le comble de la tartufferie de cette proposition de loi se situe dans l'article 1er, Monsieur le Président, lorsqu'on y lit au deuxième alinéa, on y lit que l'État poursuit de manière pérenne la réhabilitation environnementale ainsi que la surveillance radiologique et géomécanique permanente des deux atolls. Pour ce qui concerne la partie surveillance, nous n'avons aucun doute. Enfin, nous, d'autres si. Par contre, pour ce qui concerne la partie réhabilitation, franchement, mes chers collègues, pensez-vous que l'État peut bien dire qu'il va continuer à faire ce qu'il n'a jamais fait? La réhabilitation s'est limitée à la déconstruction des infrastructures terrestres et l'attribution de hangars à certaines personnalités de la commune de Faa. Pour ce qui concerne du reste, aucune réhabilitation n'a eu le moindre début de commencement, si cela est d'ailleurs possible. Ne soyons pas dupes. Dans cette affaire, c'est l'État qui sortirait gagnant, tandis que la Polynésie, les Polynésiens ne retireraient de la rétrocession que la responsabilité de toutes les conséquences néfastes, avec comme seule satisfaction de pouvoir participer à un comité Théodule, comité guidon, de suivi des conséquences environnementales. Ne soyons pas dupes non plus du caractère de politique politicienne de cette proposition, mes chers collègues, qui a reçu le soutien d'un ancien Premier ministre et de nombreux membres des gouvernements socialistes de l'ère Mitterrand. Le président qui aura fait effectuer le plus grand nombre d'expérimentations nucléaires en Polynésie française. Je vous le rappelle, 80 essais en 10 ans, 87 essais en 10 ans, avant la suspension et non l'arrêt en 1992 pour des raisons de cohésion de sa majorité. Laissons le soin à son successeur de finir le travail. Et j'en ai terminé, on l'a bien compris. Alors que cette proposition de loi traînait dans les tiroirs du Sénat depuis 2010, aujourd'hui, pour des raisons que vous connaissez tous, il devient urgent, à la veille d'échéance électorale nationale, de la tirer de la poussière et de la faire voter avant la fin de la session parlementaire. Nous aimerions savoir ce que pense M. François Hollande. Fakataro. À notre sens, et pour en terminer, cette proposition de loi ne saurait prospérer. Même si elle est adoptée par le Sénat, et il n'est pas anodin que bon nombre d'élus socialistes aient émis de graves et de grandes réserves sur cette affaire. Il y a les réserves de droit que j'ai évoquées, il y a les réserves politiques. Nous savons que le ministère de la Défense y est opposé et nous voyons mal un éventuel successeur socialiste à l'actuel ministre adopter une attitude différente. À ce sujet, Monsieur le Président, j'ai vu qu'il y a eu des auditions au Sénat. Nous avons été auditionnés, nous les Polynésiens. On a envoyé, je ne sais pas s'il est aide comptable ou chef comptable de la délégation, non mais attendez. Le seul Polynésien qui a été auditionné
par la commission des lois du Sénat est un Polynésien sous fifre à la délégation. Franche. Oui, comme l'a dit M. Barillot, cette proposition n'est qu'un symbole qui ne changera pas grand-chose, sauf à nous transférer tout le bloc de responsabilité. Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons nous satisfaire de symboles à visée politique quand aucune étude sérieuse n'a été effectuée, non pas sur les conséquences environnementales, mais bien sur les conséquences légales en matière de responsabilité d'un tel transfert. Pour conclure, Monsieur le Président, j'en ai vraiment terminé là, je vais justement évoquer un autre symbole, Monsieur le Président, qui est cher à votre majorité indépendantiste. Il s'agit de la spoliation des terres marées. J'en ai pour une minute. Vous avez tous vu, il était d'ailleurs présent à la conférence de presse organisée par Mururu et Tato, que M. Teavai Marunui, notre ami Teavai, revendique la propriété de l'atoll de Mururoa, qu'il qualifie lui-même de poubelle irrécupérable. Mais il revendique. Monsieur le Président, en demandant la rétrocession des atolls au pays, vous entendez donc spolier cette personne de sa terre. À moins, bien sûr, que vous envisagiez, une fois que le pays serait devenu propriétaire, d'indemniser ce célèbre serviteur de la commune de Faa pour cette spoliation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et pardon pour mon retard. Aitera i whaaro rohi o tana parapara. Atira anō atura. Te tēni,
Qu'ont fait les Polynésiens? Ils ont fermé les yeux. Et par
Et notre pato il a été une autre offrande de tout à tout fin. Il faut le dire, mon nom tout à tout et puis. Ma oui, l'eau. Tu peux te ma oui, l'eau, tu y as. Oui, pour toi, pour tini, mon nom est où était mon petit appui. Tata te harre. Et petit appui, tu oui, fan en aura. Et tu peux t'avoir après le tuit. Tato pai o toi mere. Mi te peu e awai o toi di auri to e whaito. E hare to atu hua ia te auri ni i tēnā whaito. Ai te pai o i tērei inoro tui ti, te hupa inoro tui ti e, o puar ature. E wawo he mai rei mui tato. Ai tu i tērei ti te hupa ino. Ia hoi mai, tēnā motu, uru tui to tato ri mai hato nau. Tēnā ora o mai nei aru era, o tai nei aru hapopo mai tei. Mea tia, te rawa hia mai ti te mo puputa ata. Tia ma, no te hara mai tua tapapai te ieparau. Un groupe de scientifiques indépendants, no te hara mai tua tapapai te ietumparau. No mururo. E o whangata ufo. Nā whea tātou. Nga whea tātui mo i te itumparau. Nga roi ni iao e pritini, mi te pēti e iao. Iao e hama e ti pupara no i mātou. Hama e ti tātai te o i mātou. Te mana o e vai nei, nga roi roi i te mai tō tātou nuna. Kā te vaita, o te moti au tānei whauta, o tānei mai tiru tui te ipia apora arhai, e ha. Whautira o tārātou e rau. No te nuna, ananei. Te rati te hea nira, ia oi pritin. Ia i te mai te e te nuna ae. Te hia tātou i te vaira e mua i te iwhiwhi. Pritin, o i te ue te toera te taimi. A te pupu amui. E roa ue te puoi mei tō tātou tā. Te mea te ia tōti tei. Aito. Nga roa e whaite i tōna mana. Maru. Paroro mai te presidente. Te toi nei e ono miniti, te roto iau e hiro te whare. Maruru e vito. Tamo parau pāri tāo i tū mua i tātou wāto. Pretene o maohi nui. Pono pretene o maohi nui. O whātarehau o maohi nui. Pretene o te aporārhei no maohi nui. Tātou te moutia no maohi nui, maiti hia te nuna no maohi nui. Tēnā tū te hei o te aroha e te aroha i arei. E hā te tei mō parou e atu e nenhe e tū no te whaafiru te ai tātou e. I hau te e mon o nenhe tā vito i tui mō i tātou, ai te pai parou hape i roto i te e. E rat eir a mon o, o tā tātou o whā i tū atu. E i pari. I tō tātou i whāri rā, hio rā, te tā e rā e veinei rutu i te aratai rā popa. Tā du goli a whae mei unei tā te tei pē o te mūti a purikita no te rā ratau i whāri i mā te tiaturi e. E ora mai te whenua. E rutu i te e parau o te ora. Wōra no te mō ona te ia te e whenua maha ahoru ma teiki. E upaturu hia. E te rā pai. E te rā whiruri rāo tā tātou e tamata nei te whaitoutou e tūru tui tō tātou nuna, ahi o maahouna te prau o te orara. E hā te whaito moni, mi te pēpē e hāra mai tātou ini e te prau o te imira a whauwha. E hā te whaito moni, he hei rua tā tātou e nene e tāpē a te mana, no te whahi o rā i te tātou rā ua tāpē tātou. E hā te whaito i te tanoro anen he tātou e parau e warau ai tātou te tāte i roto i te mūtuhā ato anot whātere ai tātou. E hā te whaito iti anen he e tū i mua i te tā atoara e tera te rāwea e parau e tātou e maruru ia o e dōgol. Mō parau i whaahiti he rato te pai ato i te iam hāna. Mā te hiti piti tō tini ahuru mā piti.
Ehat me anin he o o he tatu. Atere o far o enarto ya rato te pro poubelle nucléaire. Décharge nucléaire. Otme me tirar tau ma teiti ho etau tini ai vahanere o no ohru mamha. Ta o pro da hayat te tum pro tu ti apura hai tero me te man. Ai tatu tatu mo te enot pa atau i pro tira pro. Tap oi te far inerato ki mana e pro. Mitara to wo e fahitir, yau te mo papa yo te rovo hi ai te mo e wana, ua hape mo hua te o franir tui tana mo whanhora yo tato. Ia yo tato, wa nu ane tato. Wa nu mo ane tato in ei te mo tumu pro wato. E ha te paho nor ainen he e pro. In ei te mo tumu pro wato. Aita. Parai tato pato. Oi te o tou, i tatou mono e roa roa, pretene, te whahopera oi tou mono, hi arora oi tu te te i whahiora i tatou. No te mea, meauna tatou e parau e nun a tere te tiano tatou, nun a te aturi tatou. I tona rtau, i kera rtau, ua aro o Roma, i te parau te atu. E wariro o Roma, i patreia no te parau te atu e te emha. Paupari kera. Mo tata atoa. Kera e pamatara, e prau ahau ke emana, e tau i wharo i rau anei. Noria wo i ui e i ani i abitu horoa, i meina te tei te me potoro e prau prau wo. E tamata hoa haura, e tapu e poi te emo, mon o ato. Tarato i paturu no ara. Ananhei, o ratou te prau e, o ratou te aito. O te parau te arora paura atomi, o te parau te ati amara ai te e whenua tō tātou. Maruru, te arhoerai. Maruru, mai te iti mera oporar hei. Te mea ua tēt o mei tō tātou tawana no Arhue, e tō e ira te te miniti e paraparau, ai te mana o. Maruru, mai te, te whahoe rauara tuit preti tēni o maohi nui, mana o anei tō tātou, ahiti, te aue. Retini o te aporara hei no maohi nui. Moti a mai te hia te nuna no maohi nui. Te nuna o tita mei te e pepui. No maohi nui. Pari mai te tapa ono te aru. Aroro no ai oi tō tātou mō manao. Nga o no ara wawe ewe e te warua mai te ie. Apo mai na. Apo mai nā, a maramara mai te muta e te mutu hene tō tātou. Mai te tau e te tau. Me ohi e roa i muri mai parau e u hawari e mato. Me ohi e roa. Ai. I tatara mea moeru tui a ai o tō tātou whenua. Tarapaha te teimetano ma i te mei te o puara, wha i te rei tō uto man o tātara hapa. Sansō tāne i o rāna. I ai haroia o e proparau. Nā o rai wau a. O tai o nōo i te tei ahara o te ai o tō tātou whenua. I hara te tā atuara. Ai tu i te o tupu te tamai. I roto i tō mātou mō tupuna. E te hau whrani. Tārato hara rame une i ai tō tātou whenua. E te haapōpō nei a oi te emo nana i a. Taparahi tāta. Tēnā riara parau tāte e tūhene tō tātou. O leo nā pākaere tai ohio nei. Te apapūra tumu tau te i te emo hana. Tarahira au te emo tamari huma. Rauhi ei te emo mai. Tarahira au te tāte e pōera i te emo mariri ei tāta. Ai te emo ni te auho i te rāmea. Tanhana te tūra o tō e nūna.
non ayo mitano i haman ohia i mo he pe tu puru to to ta to fen ya ba ita to man o e pauro frani o ya to ra to man to ido to mo frani trato oi trato e ajita no to pe ro hi ara e to ra to mo ki fa te Elpe i tupu i mhaena. Tuira tera mu e hau whrani. Whaaru i tupu i harina hama e naroto i totato mohu i tupu na not aroto i tenu whrani. Upo i wera tui maina. Tera ta ai o te e whenua. Tera hoa i papa i hi e Lorde la Moral. E tano to e papa i unei. Tera tui hupai tupu. Ramu tu orang 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 itu baru orang itu tinu orang ini harmai naro itu tinu mahu ye aru itu impor orang ini mesti mahu itu rado teh harmai dah teh via iya itu tato fen tu perah itu tato nuna tato tapi apa itu tato orang out ai itu tato fen ni apa itu nuhu itu apa kenapa ni itu umur ada urut Brenton Thompson cara rata tu jumpa out mati ti A Sarkozy? Ah! Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en Tamadana thare mururu ai te eten. Te o du yo, e o hoi bubui te nao hio mai hare. Tin arora tato yo tua tapapa mai te hiyo. Te te roto ue te vera tra hairi e dira roi tra whenu ai te e mana. Na whea tato i ahoe ai mu ai wan ai i o. No te harehi o poe tua tapapa te pubel nuclear. E dua ia oe ta niu niu i proprun e ho e ho e ho. Harumbe ba e ho. Me tamo e ahoi te oe poe tui tra pubel. Pene airi oe marmar mai. Te arpa mai da? Arpa atu. Iri ata atu e marmar mai. Tō te ao tātou i iti iti upa. Ai tū mana au e pāpā i rua tātou i tātou mō kōra ere tū iti e. Ia ite mei te imuna na ia e hāte hupa tātou hina arora e rau e o mā. C'est un crime contre l'humanité. Et vous voudriez que nous disions à ces criminels voilà ce que nous allons faire. E arei tātou hi. E arei tātou hi. Ia moru ana o whakatau wa te whahoe mei, whahoe tō mei a Clipperton. Hamei tātou i te matai te tautini e iwa hanere e iwa huru e mauna o tira tō Clipperton, tō tātou o tia whenua. Eha te tungi tatarahia e te ehau. Ia hea i te tuha whenua tō tātou. E piru tō raro i te whenua. Ui te tō te hao tātou. Ai te tātou i te? Woman auwe yapawa pahanui tau tō mūpara. Tupa i teroara au te tauta tātou i are mai. Tauira tamu tātou ti mau i te auri te iho hiro mā, vito mā, te waitura e te waitura. No te tiara ai nia. O te parawai tamātou hina aroi te iho pahai i riru toito. E whiwi tamātou hua i tamari ananai. E te iamhana. Proi amatou i te whia po oino. Ea e wana rato, ui te rato hea tohipa. Mi tau toa hapa maere i te ebe. Oe haru ai ki tau. Dai, mara ona e au. Mi te peu e eita tauwharani whaho e whari e whaho e mei te mouwhenu o tō tātou. Ara tātou i nipurung. Rai te tini o tauwhenu o tera e
Opening more, opening move here about help. That or a honey broom. I did help run it. I. Takaitara, nakaitara. Ti wiwi mēre no nei a tātou e hina ara tātou hiu mata I tēn a heam pei tātou I parapara na I a wau hei e. Ai tātou e au. Tāmai whi aira wai tera hupa I tera tau, ai tato wara tui tā aero atu I o tō. No reo bō anai bravo e, tera awhahuare. Ahorai bravo, ahorai haware. Kareo. E ita te natura e haware. E ita te whenua e haware. Whahui mai to tātou whenua. Te veira to te onei no te tua tapabara I te mutapuruhi. Hawaii ane I o. Janen he te mu, ai wana ai hari o tua tapapa mai te. Te whaitou te hari, tara tui wehu meri tui to tatou whenu. Wa tai o o I prapapa hi e kusto, tona tere I o. Te hapapung mai te rona te wedet mu hai tone hari hi e hare. Tau hei te weira te hei. Ai, ai te pahoutu I are mururu. Oru hara pahoutu I o no te apopo I te rahepero hi are rato I o. Tansou hara oi mururu. Ai tā paha, eh? Te whenua tō tātou ho e tino ona. E tā atoara ona. Ai tō moruru ai tā e o whangatau whai tātou. E tā atoara ara. Te e tino. Iau te rapara nā ora ia mahui te oe mero te tino, mahui te tātuara. Ui te o tū. Ai te trata e roi wai noi ohara tō mena unei o tātou. Te apapura te mō taute te mō ewan ai te e man. I te tātou ni nēno tō e tai mea. Ma iti pōro tātou I te ie. Tāpuro e. Pramo, ai te tātou I papu e hamo tō hao tira aimurusho a te... Mahui tō wha, te whenua whrain. I wha aho hūnu na hea te tua tapabara au te ebrau, e vivi te whenua whrain. Hei. Ia pae wha ari tira anira. Hei tui te. Mana ora o me fau fai a ho e tō tātou mana. O te whaite rei te hea I te tātou I maru hupo o tātou I roi rei tui tō tātou whenua. Mai te amatara e tā mei te mana. Te o ngai rei te ae o tō tātou whenua. Tā o maa te tei mō mana o proparau maru rei o rana. Maru rei mai te kreti tini, te anine iau ia o e tshoti, te o mai tātou prau whaita. Arawa, arawa. Chioti, ti awera. Avi.
Et l'Assemblée de la Polynésie française émet l'avis suivant. La proposition de loi relative au suivi des conséquences environnementales des essais nucléaires français en Polynésie française recueille un avis favorable de l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au commissaire, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie française. Maruru maite, wata maite te prau patite ai farora, te oprehiane imo irutuito otorima. E te anine iau, i te awha e prau, i a tei au mai te ienei whaatiti e wharora. Nā vei te ie e tei au, nā oe, a chodi te auero. Monsieur le Président, il est proposé de modifier le projet d'avis comme suit. Après le premier alinéa, insérer les dispositions suivantes. Par ailleurs, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française demandent que soient introduites dans la proposition de loi les modifications suivantes à la loi numéro 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Tirer, remplacer les alinéas 3 à 6 de l'article 2 de la loi numéro 2010-2 par deux alinéas ainsi rédigés. Deuxièmement, soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Moruroa, Fangataufa et Hau, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française, un décret en Conseil d'État délimite les zones périphériques mentionnées au premièrement. Tiré au paragraphe 2 de l'article 4 de la loi numéro 2010-2, remplacer les mots présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable par les mots présomption d'origine sainte. Recevabilité, Exposé sommaire, il convient, au travers de l'avis que notre Assemblée doit rendre, d'attirer l'attention des autorités de l'État sur certaines dispositions de la loi numéro 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dite loi Morin, qui peuvent être regardés comme destinés à réduire autant que possible l'indemnisation des personnes souffrant de pathologies radio-induites des suites des essais nucléaires français réalisés en Polynésie française. En effet, en premier lieu, l'article 2 de la loi Morin, précisé par le décret numéro 2010-653 du 11 juin 2010, relatif aux zones géographiques dans lesquelles les personnes souffrant d'une pathologie radio-induite doivent avoir résidé ou séjourné pour bénéficier d'une indemnisation
apparaît, dans sa rédaction actuelle, restrictif en ce qu'il ne recouvre, sur la période allant du 2 juillet 1966 au 31 décembre 1998, que les atolls de Mururoa et Fangataufa et certaines zones de l'atoll de Hau, le centre de décontamination des appareils et du personnel, le centre d'intervention et de décontamination et le centre technique, sur la période allant du 2 juillet 1966 au 31 décembre 1974, que les atolls de Réa, Pukarua, Toureia et l'archipel des Gambiers. Sur la période allant du 19 juillet au 31 décembre 1974, que certaines zones de l'île de Tahiti, la commune de Tairapu Est, la commune de Tairapu Ouest et, dans la commune de Hitiaotera, la commune associée de Hitia. Ces conditions doivent être revues, la loi devant prévoir l'indemnisation de toute personne souffrant d'une pathologie radio-induite ayant résidé ou séjourné entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa, Fangataufa et Hau, et plus uniquement dans certaines zones de celui-ci, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. En second lieu, le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi Morin prévoit que, lorsque les conditions d'indemnisation des demandeurs sont réunies, ces derniers bénéficient d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Ces dispositions doivent également être modifiées afin que les demandeurs puissent bénéficier d'une présomption d'origine simple lorsqu'ils réunissent les conditions d'indemnisation prévues par la loi. Conviendra de compléter en conséquence le rapport sur ce point, l'annexe 6 juin. Sabrina Burke. Maruru, Yaranakato. On est sur la loi Morin, hein, sur cet amendement. Et je vois qu'on veut prolonger le délai de 74 à 98, uniquement pour la zone Mururoa, Fangataufa et Hau. Je suis assez surpris. Je ne comprends pas comment on peut exclure Tarawa, comment on peut exclure les Gambiers. Ça veut dire qu'on nie les qualités de la radioactivité. J'ai été avec Théa, Jackie, tout le monde. On est allé aux Gambiers lorsqu'il y a eu les études qui ont eu lieu là, à Rikitea et avec la mission des experts. Vous savez qu'ils ont trouvé de la radioactivité dans le magnota, on était en 2005, si un enfant avait bouffé ce magnota, il aurait été contaminé. Il aurait eu un cancer. Et il n'est pas pris en compte. Comment? Ça veut dire, demain, ma gamine, à 10 ans, elle va bouffer un magnota. Et il y a de la radioactivité dedans, elle ne pourra pas bénéficier d'une indemnisation? Non, mais vraiment, on a des œillères. Quand on veut prendre en compte, quand on veut être honnête, hein, on ne va pas réduire. C'est ce que j'ai reproché à la loi Morin. Comment on a pu le voter, ce texte? La radioactivité, elle va durer des milliers d'années. Elle est dans nos entrailles pour très longtemps. Nos enfants seront contaminés, nos petits-enfants seront contaminés. Et on veut exclure la responsabilité de l'État, nous-mêmes. Ici, moi je dis, la responsabilité de l'État ici, elle doit être perpétuelle et sur toute la zone de la Polynésie, pas sur cette petite zone qu'on a définie là, Mururoa, Fangataufa. On a eu la preuve concrète qu'il y avait de la radioactivité dans le magnota à Rikitea en 2006 ou 2005. C'est écrit noir sur blanc.
Un enfant aurait bouffé ce magnota, il aurait eu un cancer. Et ici, on veut fermer les yeux? On veut dire non, cet enfant qui aurait mangé ce magnota n'aura rien? Non, je ne suis pas d'accord. Là, c'est ça, je suis pour élargir. La responsabilité de l'État doit être perpétuelle. Perpétuelle. Et sur toute la zone de la Polynésie française. Maruru Maite, Jean-Christophe Buissou. Maruru Maite, Preteni. Preteni, Ophenua, Yorana, Mono Preteni, Mon Fatriheu. Tanuatu, tmo fiyarlo hipa, tmo rimato, vene pisho yoto. Tato, tmo mirur tuita prahe, tanuatu, tmo papivea. Naone ue fata ik tato purua, ik tap ono terfa, yurtu iti frere rano tato iti pepeu. Rirote ye tuata papar a, inye iti tumu prau, e hafu ar a i tato, yurtu ito tato ferulida a, e tanuatu, yurtu iti prau no te apurur ai, tavinir ai to tato viratira. Quand on rêve une autre idée, teme, tini ai churu te tuat papar a, ini ai pronote ie opar ature ate tofa orisha tu heyava, e o te tu puite i pepe. E promo e nuatu e tirto tato e tirar a portita oriro tato, e ma umero te mai te hie te nun a, wa fa mai te mon oer te iau e niat ofo atu motumu promete ie churu, e vei noa te haur te i tato. No te mea, uite tātou churu o te tāta e ni e te parau no tōna ora rā, tōna whānau rā hie mai, e rute i te i e ao, tōna mau tupuna, tōna mau metua, churu o tōna wheruri rā, e uite tātou me tā e tātou i te tei e te tei. E te tātou e nene haavi i te tei tāta e ni e churu o te wheruri rā e mei nei rute i ana. Mei tātou tātei tei titohi e tātou e whātura. Peru i rā e vei neirto i trātino e trātino. Ai tarawo e mana o e ini eite i e tumu prau. Ortui tā tātou arte i rā nenhe tātou e i ani e nārto i te teimu prau tei mhā. I a tau i te peru i rā e vei neirto i te tei tino. Ehea te tumu. No te mea voisho nei. Mere? Te teme e whātupuhia i te mō tamtam tara ātau mia, a tehiru o i whanohia i tra teme. E hei o ordo i tātātou apurar, hei, ho e a, te veine aite i whanohia atura, i tra mōmu te heitira. Aite i o e mana o e nenhe tātou e toro i tō tātou mani mani rima, te praur ae o tau te hape. Whahoi tātou i ni eit mō tia burkita i tra tau, e aitra o e mana o e Ortoi tra maiti ai maiti hie ratou, ortoi te tumi te tamau, ortoi ta tato aburar hei. E au e te meinei te teipa e toru anei ratou o tei whari, te meinei e piti o tei ore whari, e ortoi te enau e piti, te meinei te tei papa. O te tere pine pine nei, ortoi ta tato aburar hei. O Jean-Baptiste Serran, Jeruzanemi, ere anei. O riro o hoa oia, te tei tino, te patoi, te iopuara, te pupuara. I whangatofa e tānu atu i morurua ar tui trima o Te Awhirani. Mataura, woisho nei. Te wei nei tō mōmetua, merto mai tra rini no te whenua whirani. E te wei nei tō mōmetua o hene, o te rini hia, merto mai tō tātou whenua, o i te tawana no whaa, o i te ovito mā mātua, no te mea tāmura e rtui mātou. Rara, e rtui iau isho nei, ai te mana o arora i tra a hau whirani. Mei tāu i whāroo i te pepeu, mei tāu i whāroo ar toto hoa i te temoru rāpurikita. Iau e, tēnā nūnā e piti wānohi e tirtoi mātou i te i emhana. Nā whea chū e te menen he e patoi awharaa o te teitāta. E tono mō tupuna. E rea nei? O te ria, ia i tātou mūparau, ai tu e mana o e nenhe tātou e tuatau papa e whātura tātou, Te tei, te tei. Ini a rai tātou tō mūbara. I te matai te piti tau tini e waura, ti onei tātou rtoi te apura rei, e wā mani wau i horohe mai te purapuru ai rtoi a. E i tra teime, watu wau i moi tātou, te rtoi e tātou i te parau te whanohar a o tō tātou ai e i tra taura. E wāni tātou i tra taura, ia whahauhi e mai o whangatou whae tānu atu i moruru. E rea ne? E sa te tumu.
Mutta me na muoru rtoi tata to papature not mateti o horma mara tirto. Erian ai rtoi te ifa o tira o te mai ti hia. E te tomite tamau i trataura. Tirto to hoi tata to papature statu de la Polynésie française it mateti o horma mara. Te venei te parono to ahir ai te momotu irtoi tata to Polynésie. Mateti pitau tine ma taui hia tro te irvature. Nau i taui. E erena tatu urtu i te apura rei tau i te irawa. Tau i aforuhia me te whenua whrani e tau i te ahui ora me rto mai te apura i rikiture. Te venei trahia ai rto i te whrani e tapia no i te imumutu i rau ai tana a whanhora. Ro pro matau i te ipepeu te venei te temu mona o ka eri rto rai cho honu ra to matau whiruri ra me atano i ani tatu i a whahoi hia mai te imumutu. Mona o mata muatara. Te piti, te whiwhi. Iani tātou e whaahui e mai, te veinei tō hoai te prono te emo whiwhi, o te veinei rito i te emo mutu. Te uira ai o te uihia e mai na sāj te epepoi, i tātou, te whaterera o te whenua, te e tino te opua e tūmai, i rito i tātou apurar hei te opua rature, e ha tātou whanohar a papu mai te no te opuru, to tātou nun a, I mana o e, ngā whahoihia nā te ie nau motur doi tō tātou rima, e mau no hoa te ie rawhea, no te hio puar a, te ie mōwivi o te ie a whatupuhia doi te ie mō tam tam tā rātomi. Tāna te ui rāmata mō. Ngā papua nei, ngā whahoihia mai doi tō tātou rima, e mau no hoa te ie mō whanhoa a, ia ore tō tātou nū nā nan hei e whiwhi. Te piti. Me te mea eni tātou chau whrani. Ia tamou o ia i tāna mohi opora, pene ea nārtui te te morawe api o te orei whirurihi e te emhana. Ai tāna ia tano tō hoa e ani, Chau Whrāni, mei te mea pupu tātou i rtui tāna whanhora te inau motu, no te emo maimir a e tānua tui te prau no te titrotoro a te emo vivi, i ani tō hoa i Chau Whrāni i tāna tuha no te tapir ai te emo motu rtui tāna whanhora. Reane? Tau e prau nei nārtui te reo Whrāni, il serait également bon, dans le cadre des dispositions qui seront votées par la loi, de prévoir, dès l'instant où l'État continue, bien évidemment, son activité de contrôle et de surveillance des sites d'expérimentation, et dès l'instant où ces îles demeurent sous son contrôle, avec bien sûr la Commission et le Conseil qui doit être mis en place, qu'il y ait une contrepartie. Je trouve parfaitement normal, dans ces conditions, effectivement, que le projet de texte qui est proposé prévoit aussi de telles dispositions. E ai te tātou e vaisono hia, e nā tātou e hama ua i tā tātou moni, orto i te parou no te upuru ai tō tātou nūna, e te piti, e hato utu mana o ini e te parou, no te anir ai Chau Whrāni tō hoa, ia horo wana i tāna tō hoa. Orto i te parou no te tamou nua nā e te emo mai mi rata rātou, ini e te inou e piti motu. Trai ad mana o tāu hinaro e horo ai tātou i te pepe, maruru mai te i whāro rama. Maruru mai te Jean-Christophe Buissou, René Temeharu. Maruru mai te peritini, peritini tau whenua, pātere hauma, tātou tu mau mero aporar hei, maruru mai te tātou nei wharere rā, e tera atuna te tāpua no te arfa no te matiheti api. E haupai tera mana o tāwito e o mua mai e mana o tura oia e te matiheti api, tau tini ho e haruma apiti, e tau i pa ia tātou, e re ane. Mana o tāno roa tera, tara man o tawitu i umo mai, nyut whahi ora. Tara ra, ia hi o mai oe te tō tapa para o te ne ture, tato tato ne o wha, tu hewa i tu mai. E hi o nei o te tapa ora, ki unu ia piti tau atini e iwa. Te tu rahi atu i Tino Fran, a te e mhana tato i tō tapa pairo toi ti te rūra. A tira anu atura, te pape noa i te tau. Poro i rara, I au pai tera mana au e imi tera au e hare tātou i mō. I niho i mana o te pretitini
E woto no oye mato ifran. Te hamon or or. Mato, mato te ye tu hine to. But Maris wa amui mai te pupu ya ora te fenua. Tahu era huid atira. Kuhare mato ipari. No te hare taparu ite ye tata ya amore. Ya tamata me ona itfa atiti e faro ita tata ture more. Weteni. Pra ateu teu na ati ho me ati tono hi e o. Mato ia pra ateu teu. Ya prau na hi atra pro te hua avare. Teridan atato, teridana. Tapu an ae prau na. Hipokrit. Ore ra sepa. Ani met prau narto ito uereo. Metrato tato huru. Te teime pupuira, ai te tata wahau. Ai muri, ai ria mua mua. Te ia te tatu era venei te ia mhana. Ui te oa, tra mhana mātoro tui te piatoro a mora. Nā ui ani, pauna ati ani. Paha umei tra nau mutu. Eh? Eh? Te rirei hoa, e hi oto mei rana fea. E ha to muri mai. Me ai tu ai tu ruia. Ai, hoi no mai te mano pa pete nei. Ya ya. No te ha. No te bea. Ai to to ina ro e pro pro itra mu frani. Cet amendement que vous nous proposez aujourd'hui, c'est un amendement qui n'a pas pu passer en commission au Sénat le 10, le 11. Cet amendement. Parce que ça s'appelle un cavalier par rapport à la loi dont on discute aujourd'hui. Et nous, on va être consultés, là, sur cet amendement, pour que nous fassions pression auprès des sénateurs, pour qu'on essaie à la dernière minute de réintroduire. Hey, on est des quoi? On est des quoi? Pourquoi notre sénateur n'introduit pas une loi spécifique aux problèmes sanitaires? Puisqu'on en parle depuis un certain temps. Beaucoup se sont déplacés. On est dans toutes les commissions. On va sur le terrain partout, partout. Et aujourd'hui, on va passer ça comme un cavalier à une loi. Mais je vous disais tout à l'heure, Monsieur le Président, on sert à quoi? On est des quoi dans ce pays? Pourquoi est-ce qu'on agit de cette sorte? Pourquoi on demande la rétrocession de ces îles et on accepte toutes les conditions qui nous sont imposées par les gars là-bas? Pourquoi? Vous voulez contrôler quoi dans cette affaire? Dire qu'on a récupéré Moruroa et Fangataufa? Ça nous fait une belle jambe. Ça nous fait une belle jambe. Je vous disais tout à l'heure en introduction, vous réclamez la poubelle. Au lieu de faire payer le consommateur, qui en a usé de cette poubelle? Non, non, non. Vous demandez à ce qu'on nous ramène la poubelle et c'est nous qui allons payer pour eux. Vous ne croyez pas qu'il y a assez de taxes sur le dos des contribuables aujourd'hui? Nous allons prendre la responsabilité de ce qui va se passer demain, puisque vous avez vu le rapport des sénateurs, c'est certain qu'il y aura des problèmes demain. On va avoir des problèmes. Et c'est nous, les propriétaires, qui allons assumer les responsabilités à leur place, Monsieur le Président. Travaillons dessus, pourquoi pas? Travaillons dessus, mais ne nous passez pas ça. Nous n'avons même pas eu 10 jours pour regarder cette loi. Aujourd'hui, vous nous passez un amendement qui n'a rien à voir avec cette loi et qui parle des problèmes sanitaires, des essais nucléaires. Il faut être sérieux, on ne va pas être pris au sérieux, même si vous adoptez cet amendement. On ne va pas être pris au sérieux. Monsieur le Président, sur l'amendement, nous allons nous abstenir. Nous allons nous abstenir. Autant nous reconnaissons, et je donne raison, à l'habitante de Travaux là-bas, qui s'inquiète pour ses maniocs, qui a mangé de la patate. Autant je lui donne raison sur ses inquiétudes, mais autant je trouve que la méthode que nous utilisons, elle est un peu cavale. Là, c'est un amendement stratégique pour votre sénateur, mais pas pour le fond du problème. On ne réglera pas le fond du problème. Vous savez, ils n'ont pas pu passer en commission cet amendement. Je vous remercie. Maruru, tavanarikite atia oer. Maruru, peritini. Peritini te au finua, mo per afatrehau, tatu pauru, iora. Tere meni on ohi paute.
Te hare noa tū rad mau motu a tea e whiwhi ni e mau terera a pahi, mau terera a manurewa, e te moni o te mau whereti, te hare noa tū ni inia. No rene, ha moruru nei au tū taia e o Sabrina e paraura ai o hipo tu mā nyota. Te paraura pai o nai, Me te peu pai ho e tamari i amu te e mā nyota, e no ahi e e one te māriri ai tāta. Pero mā, no te mea e tamari, no te hato e tamari, pauro e te huira atira. Te vai no ara te rā mana ona ora e ro te a mātou. No te mea me piri mātou, i a mōroroa, me i a tureia, e te tahia te motu a motu. Nā whera, ia i te mai o tō. Ki hare ana e mai tō nūna a i tahiti nei, ua pe e te pie no te hoi oi oi tōna whenua. No te mea, wa i te o nā e tōna ora, te i o. Hare no mai no te rapa au i te mai, aore nā no te hi o te mou, whiwhi o te mou pu e rāta mari. Te rara i fō ona i ahoi oi oi i o. E nōre rei e te ie mōwhiwhi. Ai te oi i te e nā whea ia rātou ia whiruri rote tō rātou pō. Para ura ae, me au ia mātou e whaae tō mātou whenua, me nene whiwhi a muri mai. Nō reira, te tia ture nei vau e nā oto ie pahono. Ni e te rā mōhu ira ati te rā mōmotu tāpiri a mōruro, e whangata. Pasko e rira noa ia tērā e wheruririra ana te mōpū e rāhu i rātira. Ia i te mai rā o tū, te vai nei te mōwhiwhi, vai au o te taute, no te mea wa i te wau te tahi mau motu a tea ai te kututu mai. Mātou te ie mahana, whāna o mātou, te taute, moruru. Maruru rahi roa. E te whiwhi toa o te mōwhereti, i aro tō pai hua ue i whotua tāpapa toa. Pasko e te mahana e whiwhi ai, nā whea mātua, are mātua he. Te ioi oi pō te tsunami toa tā te mōwhi ia, hare mai o mātua e parau parau noa te oi pō te tsunami, te rahi noa tūra i e te hamana ona ora ai, nā whea ai. Tō te tua amutu huara, e parohia mai nei te mōwhi, e mōwhi ia arawihi e, e whiwhi toa te rā mōwhi nio e mō, ia mārkizma, e o mātō. E arahi te whiwhi, roi e mōruru te whāro ora amai. Maruru, Sabrina. Merci. Moi, je reste sur l'amendement. Effectivement, tout à l'heure, j'ai eu un avant, une intervention un peu fort. Mais il faut dire, cet amendement, qu'est-ce qu'elle fait? Juste sur le plan juridique, que vous compreniez bien, et que vous compreniez bien pourquoi je ne vais pas la valider si on ne la modifie pas. Elle va introduire un renversement de la charge de la preuve uniquement pour les personnes qui remplissent ces conditions-là, c'est-à-dire en séjourner de Amoruro Afangataufa et Ha entre 66 et 98. Uniquement pour ces personnes-là, ils pourront bénéficier d'un renversement de la charge de la preuve. Qu'est-ce que c'est que le renversement de la charge de la preuve? Cela veut dire que ces personnes-là n'auront pas à démontrer que le lien de causalité existe. Ça veut dire qu'il y aura une présomption de lien de causalité. Et c'est à l'État français de démontrer
que ces maladies-là ne sont pas liées aux essais nucléaires. Alors, jusqu'à présent, nous avons Mururu et Tato derrière nous, donc on a la preuve. Il y a eu, je crois, plus de 700 demandes, une centaine par qui viennent de chez nous. Et sur ces bases-là, on n'a rien eu, malgré le renversement de la charge de la preuve. On n'a rien eu. Vous comprenez? Alors, à l'époque, j'ai contesté la loi Morin. Le PV de la commission en sera témoin. Et j'avais dit ceci, et je le répète, il y a eu plus de 200 retombées radioactives sur toute la Polynésie. La contamination radioactive, elle est active pendant des milliers d'années. Ça veut dire que ma fille, ses enfants peuvent en être contaminés et mourir d'un cancer. Elle ne sera pas comprise dans cette zone où il y a renversement de la charge de la preuve. Donc elle devra faire la démonstration que l'État français est coupable. On va lui opposer tout de suite la prescription. Et elle ne pourra rien faire. Voilà ce à quoi sont confrontées la plupart des personnes en matière dans ce domaine-là, la prescription. Alors, il faut la faire sauter, cette prescription. Pour la faire sauter, il faut que la responsabilité de l'État soit perpétuelle. Il faut également élargir la zone, parce que Riquitéa n'est pas dedans, Travaux n'est pas dedans. Et pourtant, la maladie que va avoir ces personnes sera liée intimement aux essais nucléaires. Donc, dans la proposition, il ne faut pas regarder juste ça, il faut élargir la zone géographique et mettre un temps perpétuel. Que les Marquisiens, aujourd'hui, qui meurent du cancer, que les Pomoutou, qui meurent du cancer, que ceux de Travaux, qui meurent du cancer, puissent bénéficier d'un renversement de la charge de la preuve. Et ça ne va pas dire qu'ils vont gagner, puisque déjà une centaine de personnes ont essayé avec ce renversement de la charge de la preuve, et ils n'ont pas gagné. Ça ne les garantit pas de gagner, mais déjà, ça rétablit un peu un pied d'égalité, parce que vous savez, l'État français, ils ont un armada de juristes, d'avocats, pour prouver que non, ces essais étaient propres, que non, le cancer qu'on a n'est pas lié aux essais nucléaires. Donc, on va essayer de donner à notre population un pied d'égalité et de dire, renversons la charge de la preuve, mais pour toute la Polynésie et pour toujours. Et après, là, peut-être, on pourra faire face à l'État, mais ce n'est pas gagné. Mais en l'État, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que là, vous allez exclure toujours une partie de la population qui sera victime de ces essais nucléaires et qui ne pourra pas être indemnisée. Merci. Sur cet amendement, je dirais que c'est malheureux, mais là, la majorité persiste et signe. Je trouve ça dommage. Dommage qu'on bâcle finalement la révision de la loi Morin via cet amendement. Je vous rappelle que dans l'avis que nous avons émis, dont je vous ai parlé tout à l'heure en 2009, il n'était pas question seulement de ces points-là, de l'élargissement des zones géographiques. Et le reste alors, ça compte plus? La prise en compte de l'ensemble des maladies qui sont aujourd'hui, qui peuvent aujourd'hui être la conséquence des essais nucléaires. Hein? L'intégration dans la commission, dans le comité d'indemnisation des associations, des représentants pour garantir la transparence, c'est plus important. Donc voilà, je peux comprendre qu'il y a peut-être en ce moment un contexte particulier qui fait que vous voulez précisément faire passer ces points-là.
Mais non seulement vous prenez le risque de faire tomber le projet de loi initial du sénateur Touheyava à cause de cette procédure cavalière, puisque vous prenez donc le risque que l'UMP demain fasse un recours à cause de cette introduction d'amendement. Et deuxièmement, sur la loi Morin, s'il faut en discuter, regardez, ne serait-ce que sur les zones géographiques, tout ce qui vient d'être dit par Sabrina et qui mérite d'être discuté. Sur la loi Morin, je pense que c'est ni le moment et que les sujets qui sont soulevés sont clairement insuffisants au regard de toutes les critiques qui ont été émises depuis que cette loi Morin est sortie. Donc je m'interroge. Je trouve ça assez dommage. Et sur l'ensemble du texte, on est malheureusement, je suis désolée de le dire, mais on pêche vraiment par précipitation. Je n'y étais pas... dans le débat lié aux opportunités politiques, politiciennes actuelles, parce que je crois que le sujet est trop grave pour qu'on s'en arrête là. Mais vraiment, on ne pêche pas à précipitation, c'est dommage. Merci. Aruru maite, te tuene e mahata atahina arore propro, yo ti fahehi erotit moutia, ore erotit fateri erot fenua, Gaston Tangson. Aruru maite, brikteni. Yeni no muto mau ater tiar I alfa muto me na popora mani mau aiti avion di peiro aiti mau I toto na por te na ora boi to tatu prigitini ya duri ai ona e po mai duaru mai tei mai di boro boi tatu tei e upuar ature ra duaru mai tei popora Prigitin, tu jamatu orua waru. Tama fata tu boro hari te itapoti muri nei. Aja, tina ona yewe, eha mot fa, tate yo buat ature tate mot ofa. I farani, oti te pa bubu, turhi ai to tate mot ofa risha, eha mot efa. Aho e meiti pinua eri tui tota tūrima. Hamo ho e tomite no ti ora e teane tupu I ti teififi. He ra whenua nei, tapo hi a tūturei a meiti miti. E meiti peo e tewe ratumo hamahu ara naruto I te I e upuar ature. A tūtei te awawai nei te nunga wharani. Hape tuau tera tupuar ature. Yang ini ayat otak tu man ide yang mana yang lain? Eh, apa tu fa? Mesti bawa iye. Tu itu auto hi orang. Ya itu reot pergi tini. Epeur hai terawih lah. Vivi. Mesti bawa iye vivi. Bayu no I tahu frani. Ia tu modur tu. Ani terawih vivi hari tu main ide tu. Rupapu te tae parau tunai. Nana e haruru di paurai o, nana to e tata e jmo hivi tupu anan hai. Weyo no tupa. Ajaro I te imarmama I te imhana e, e hama o tupa. Pahoi me te whenua. No tupa utuai farani, ti te utua moni. Me te pepe tiri aparau. Tari e mata ue, a tera tufa, titoi tera muni. Pene a whae runga nai mei tera muni, whaore tera rei ratu te I mai te here tui te puta wopa no te ima te iti, no te monora. I te ia tō tātu nuna he pepe. Te ui ui nua ratu manoi, ngoi te ie parau tapiri ngoi te tātu opuar ature. Aji man oe o to mo mora er tu iti ta war apro ita ta tu iti mana. Rto ra ita hui raj beri kite ni. Imo aje ye hupa. Eha mau de mona. Titi no ta o te turu ra er tu iti ma ite ra beri kite ni. Ti ona. Diri ade oro amai.
Quelle est la position de François Hollande devant ce projet? C'est le plus important. Je sais qu'on est en pleine période des vœux. On fait beaucoup de vœux en ce moment, mais c'est des vœux qui n'aboutissent à rien. Vous avez brigité. I proud of my two way, and they have my dear every mayor. It is that they did job where out they were at today. A bomb had the imitating. A bow had the imitating movie. A window they approved you, it didn't know. Clara Daiwaro Hora. Not a Ture Moran. Your head is at Taiwan, I did it to do. Aur re itu tabura mai ni de tabura tanam mai te adu to dui bori ni dia ta to tanam mai tarara ai ai te tu odi re ni te ubuar atu re na ti ai dai au ti ra ti ri ta ta te ni aro chu au ti ra nar to mai te ti ai fa te re chu nu Nuria, me vou at oi ani de man o olon ni tu ite hupa e hato na mano yata no tu mitu e mana mai. Tai ai tato we. Parinya tara to hupa da ni tana era we brigitin. Tara no tu mana ai to ni aro e tata u ahutu. Apa pu ahu ga to ma to kiara aje ma tu ite raji te ho e. Fufu arhe tu ite e buat ature. Vejo pa e mana mai brigiti ni api e mana mai abora deputé api na tawa te mera aro ite manure wa brigiti ni are wa huwe huwe farani ye wa huwe huwe nei are wa huwe huwe de via de brigiti ni taure buprita are te manwa te reha deriana Dia tak tahu man evan awe. Dia tak tahu evat dia di mana. Abi beta tu itu tu su.
Maruru Brigitini, you're on about Otatos Father Reid, I came Hana. We amo. The very big at he, we are waited to the other Hinaru, we a tattoo. We did Moane tattoo to tattoo by. We did Moane tattoo, Menahia, the Hippat, Mutamatamatara, to me, the two good Ayotat. The Rutoi tattoo, he or ah. Every day, the owner of Fipore Motherita Watini, one of the Rue Mamha. He might hear 40 Ketumite Roto, Otapora Hene, Ketumite Commission Permanent, Tata Pro. Eh? The 40 Ae, Yafatia, the Hugon, for what I am Rue from a talk for the Tisho Bran. For what I own not Fatu in any on the Rue Tanamotam Tanatra to me. The mayor I ore Fahiti here, ore Paraguia. Kamu menahemu te tumite atabolar hai menahemu ne ti pauti me fa he pohia me fa he pohia amora ta tu mit me ti ti ta tu e u par one ta tu ti pui tu pui tara un te ti ho wa te e pauti ra ro hi ai ne yu ta tu ne i ro na te ofrani ta na mutam tam tra tu mi ti nu a te ri te ti me te para sa Yamar out the Finuan of Herita within Evander on the Rue Mapitira. I don't run in it. I have not only half I only hear Tanamutamatamatara to me. A don't in any away you on a Bordeaux Maori Marseille Ma. A den in a way, a little Bordeaux, my little Marseille Ma, a toparima. It rato patia. Rato Pirida, how it may you nay you tattoo if running. By opponent, dear Horan. Toradu, you hear IT and Amutu, wait a day, Mutu, Otiamuana, you tattoo, back to Amtuma, or Muru Royal Panato. That's brother, I hope you. Carmey, Ratu, you name. I hope we are IT, not the Ehua, Brigitino Taborahe, Brigitino Tomita Taborahe, fight it, promo, Jack Duny Drore. Irowe rato ite e fauti rano te meu fahe pohia rato. Yore hana rato irowe ite e fauti rato. Yore hana te e prawe fatia hia. Paore rohia te mo manao te aporar hei. Itu hio mai te manao te nu. Mea te manao te nu. Na rato e fatere ito tato finu. Mea ma? Ha. Na fea. Ai tato e. Traia to rato firurira. Fari, I just ordered her to eat and make the airpaid more open in a top of my money. Wafari Rato, not the mayor, he have paid the man out of our head. You're already here. You're very new on the man. In her, put up my tamatamara to me. Pity Mataiti, Murima, no hitotini, one and old mono. Ahuru mataiti tona tamatrawe no rahia te mo tamatamatara atu mi o tātouni. No rira, e tano tōpa hi tātou i te atoa. Te mo uhupa i rawe hia i tui tō tātouni whinu. Wahi tēna o i tā au tō tātou whinu o menang hea tātou tiri o rāmai whinu o horan. Ere menaro tui te au. Me te parahi hia tō tātou mo tukunai te rātou me aruhui. They were at I to that open. Them we hear a riot to tea to that why. Them we hear a riot to get to a top of pay to that why the I to that on a film. There are not to hip by two put him to eat what in Ivan or no way, mamma. I tell the man auto that on a yen here. Not if I eat I done a mutam tamara to me in your tattoo. I tell you. Them Hannah will eat you what they enough in to be. Kitauhia e te ehau, ia tamā e tō tātou whenu, e te e namutu tōpite, ia rāu ana, te tātou arā, tō māhoi nui nei. E hopo ia nāna tera, ia mō o nei tāna hopo ia. Mana o tera,
Maruru Pretitini, d'abord bonne année à tous, Yahweh Pretitini, Totato Fenoa, les ministres et tous les collègues, les journalistes, bonjour à tout le monde. Président, concernant la proposition de modification de la loi qui nous est présentée, avec bien sûr cette proposition de modification de la loi Morin, je trouve que cette proposition est un peu, à mon sens, trop rapide pour nous parce qu'il n'y a pas une longue réflexion sur cette modification de la loi Morin. En l'état, j'ai du mal à accepter qu'on puisse délimiter les zones géographiques. Je ne reviendrai pas sur les explications qui ont été données. Notre collègue Sabrina l'a bien développé. Je soutiens tout à fait ces réflexions, surtout lorsqu'on parle de nuages nucléaires. J'ai du mal à me dire qu'on puisse délimiter des zones géographiques bien précises. Là, je ne suis pas d'accord avec cette idée de délimitation géographique et aussi les délais qui nous sont impartis. Comment est-ce qu'on peut donner des délais, être aussi strict et se dire que le 31 décembre 1998, c'est bon. C'est prouvé qu'il n'y a plus d'irradiation nucléaire après. Ensuite, 31 décembre 1974, j'ai du mal. Cette proposition en l'état, je ne suis pas d'accord, je m'abstiendrai là-dessus. Je souhaiterais que les rapporteurs revoient cette proposition de modification en ouvrant les zones géographiques et en ouvrant les délais. Voilà, merci, Président. Maruru maitei hiro, pahoe ei rute I tātereira. Maruru e pretini. Maruru ia o e te tūra au mei te tumu pro I te emhana. O te mea te maru paraura tātou. O te au mei te mau te awhaatare ato o te mau pupu ato o rutu I te aporarhei. O choror au mei te rātou mo mau. Ingei te tumu pro. O iaia te ie opuar a ture a te tofā o tuhea wa tāna. Ni ara I te ie mon o api te I tuhia mai e tō tātou tuohine o Tea Hirsang. Ia te pātou nei. Te ui ara, kua whātura nei tātou te parau o te pānhora o te ture I te tau. O te mea promono te iepepauro o te turahia mai te iopuara. En hea nei oe praume ua auraro mo ane hoa tātou te ture rotu I ei te iepanhora. Atei. Te piti o te wira, te ie ia whirurira e nārto te ie opuara a tuheawa, e whaatiti e whro te tei mō irawa, tano ore no te ture mōre. I o te whirurira e taupupue. O te mea, e noatu e tō tumu prongone ia, e piti raf anhor a tae, e o te wherui a e taupupu ai. I roto I te rā, e te rā, te rā, e te rā. Te mea o tāu I te mea o tāu I papa I tui o tau. I ke te mea I te atu au no oe, I roto I te whenua whanani I te atopai mēri ane. E tā te apora hui tōwha I ore I whātupu. O ia hoi, te nominora ho e tomi te roto no te apora hui tōwha, no te harame I o tātou e hātupu te mau titotro rā I ni ei te tērā maite o te ture mōre. E aita te rā ahupa I rewe hia. I o, e te amhana, e iawe hi o tautara mono, aitu e hunara, te prauro I tau mono. E o e te huanane hia, e o te uwhirui a e taupupu ai.
n'a fait tantôt. Il y a état non tantôt, et il y a des moments, des tâtes, et tout au timé, il y a des couloirs, des amonons. Nous te mets, des avirs tantôt, des ferruits, des terra, et terra, et terra, et terra. Ti au te monon, il n'y a été mon pro à tout et tout, il y a moi, a été tout ferruits, et à peu noir. Tu me mets hamatar à mes tatoues une, ya autoburu et dimea, te inaro de voe proyoto, wouan et te pato et te ture mure. Et waite auto te mou, tu mouot ou not me wot, tatra doue mouitato. Woti ya pro. Te vivite yem han. Te tiaturine tatoue, enenhe, ou et tu arhei. O te tāt ora o te mouti e mai te hia te nuna, no maohinui e apa e mai tātou in e te rā whiruira. E mi te pō tātou e ono ono in e te e hamai teira, e au te mona o te tūhia mai, mā te ore pā e whātua te nā ture e piti, ai tāne e tōpū. Te mona o e vei nei rutu i aune, ai kamato i proporau, ai tā te pupu i proporau. Ai tāne nenhe, e ani awhef e pro o te e, mon o hatiti e whoro. E horo o mei tona mo mon o, ini e te e whanhor ai te e mhan, i te e teme. Tape anu anei, ha teme anei, iritiru anei, ai tu i te. E mon o rata rau hina, tau hina aru e tui moi tatu. Ini e te pro te maetira a te e opuara a ture a tu he awa, ai te e, e whiwhi rutu i aune. Te rā pere teni te mo mon o, tau hina aru e tui moi tatu. Maruru mai te hiro. I roto I tātou ture roto, nenhe te awhaewhae prau o te e tumu prau, e tū I tāna mō whaatitia I wharo rai te mō te mea tō hinaro e oi. Nenhe te whātere rao te whenua. Me te peura e te te vera te teit ata e ere te awhaewhae prau, me te whaahipohia oia, nā mua tāmatara ai te tuatapapa, tū mai tāna whaatitia I wharo rai. Nō rira, ki roto tātou I te awharo rao te ture I te e te mea. Vito, whahaia I roto I to tātou pretiteni. Maruru mai tei pretiteni. Te mana apotoro te hei pretiteni. Wharoi tu mana apoa. Tō tra pupu e tō tra pupu. Teni roi ia o e te ane I a whaatei mehi a te prapraura a tō tātou. E ruru, e tua tapapai te prau o te I e prau haa mai teira a tō tātou. E whai kohome I roto I tua tapapara. Maruru, hani nei ai tātere rao whenua e mana o anei no pahono I te mō mana o? Mā turu te I eit rā mana o tō wito, e mana o aturat o eit mana o tō tātou tāwana no te whenua mārewa. O tō mea te I e te taituha a whenua o te doimeit e hia, te I e whiwhi tā tātou e proparau nei. Tā enu atu e te taimu, tu e te tāntora o tō tātou whenua. Anuna roe prou I tētai e a Tongson. Ai tu I te e hata matahiti o nei hare I Moruroa. Tu hare te mātā mua ai te whenua matahiti tautini e I wahanere o no ohuru e mamaha. Me ātea, hare mātou I o e tā mei te mō pai o te Messagerie Maritime, of Stanganem, Pierre Corneille, Schiaffino, tra mō pai. O guar arhei hana I o hare taia. E I whātu e tuer au te mūpai. Mā tū te pra dukēr pūru. Te ua o te pāhua te I a te atu. Tēnā mei te mūpai te dine hare te. Mā tai ti tautini I whanere hi tu ahuru e maono. Aroro hi arat proparau te I mautae, te I poi poi. E te papa ehi ara nāratu I te ruhari, nāratu I te roto, opani et et arohia. I he e amu ahoi te. I he e inu ahoi te papa heari, mare are aroa te ruhari. A. Kera teime tuk nā ura.
nan ito tia a metu tane ite tia mam etienya ai tu ide hat mot hedi onai hari e yo farora u ito no momon ai te huru e ai te vivi vai de tu te fe no paro yo bu huite ya amute ya oye mo ane Ti prautau e prautu nei, nin he e ani te tātora automut a te hari te whenua. E rau e te hupu. E mot a te hare nei te whenua i muta ai hora. Mai mo mutu, tua mutu atoa. Tau te o e mita o hen aro, ai te ho e whiwhi. Te e mahan? I awha ahu. Te tatara ai tōhonur au te iman ai ai te uid ahe o mā. Pahono tu ai tatato mōparo nārtu i tō tatou reo mā ahoi. Se ti e meira tamo ai wān a pāpū mai te eno te aune no te hari te e whenua. E tua tapapa i te e tapuro hepa i te nene hari te iamana ti o te nū. Te iwui wif ahumene e hai atu mea tō muri mei e mena whae o ma. O te epa e haufrāne hana, a mei unei o tātou uha a maramara maratoi tō tātou mua hui tupuna e te rāti whiwhi e ro ai tāu tō mutamari ana nei. Ai tāho e. Kia maruru roi te emetu o Jacques Denis Drolet. Tono whaitera it promong. To De Gaulle ti taur ayan. Tratata tau tohe amuriro De Gaulle. Ai tau tohe hari mai. Na te nu e whateri tau tohe nu. Y'a pas pire sûr que celui qui ne veut pas entendre, c'est tout. S'il faut reporter, pourquoi pas, une suspension. Voilà. Maruru maitei, e hateroa rao te enei whātei mea ata oe manora, pamiliti. Hareroa tātui torahu e heumeie, tere, piti ahuru miniti tā ue whātei nei, kua whaari i te tātua rā, Whātai mene tātou i tātou rurura e hea mata tātou i tura hoe. Maruru mai te. O whāri i te tātou ara. Nari. Whāri i tātou e heumei tātou i tura hoe. Te anine ia i te pērhei, te anira te tei pēiti, heumei tura piti. Te rira anei, no te mea tātou e whātai mene o ai te, suspension. Fahiti mei whaotira. Maruru, Prétiteni. Monsieur le Président, nous savons tous combien il est difficile pour les élus d'outre-mer de susciter l'attention des parlementaires nationaux. Et dans la mesure où le premier texte présenté par le sénateur avait été accepté pour la commission ad hoc, le sénateur souhaitait profiter de cette ouverture pour introduire aussi une modification de la loi Morin. Et des opportunités comme ça sont rares au sein du Sénat ou de l'Assemblée. Et c'est comme ça que la demande est arrivée de la part de monsieur le sénateur Tohéava. Mais compte tenu de la confusion
qui existe par rapport à la modification sur la loi Morin et l'opposition de certains de nos collègues. Je vous demande, Monsieur le Président, de retirer cet amendement. Maruru. Maruru maitei, kufari hia te mana o te tātou ara o te mou tātai whahiti mei tō rātou mana o, te tatarani tātou i te ienei whaira mana o, meiru tō mei a te ahirson. Te heumere ia tātou ni i tā tātou opuara, opuara mātā moi whātahia moi tō tātou aro. E i te mea uani hia te tei maiti a tātai tei, scrutin public, hare tātou inia no tā tātou maiti rai te etem. E te anine iau, i tō tātou papai prorhei, ia tei o mei i tei oa o tō mautia, e maiti tia tātou i te enei tuha. Maiti rea tia tātou te. Algon ima. Alfa te ari. Birk Sabrina. Ah, sur la proposition tout hier avant. Ah, d'accord, pas sur l'article premier. Moti, vota trahia. Ah, ok. Aïta tatu e propro ni eitmo irwa. Tini anu tatu ito tatu mano. Ti atu e. Eha ta oe mai tira. Me. Aïta tatu e tu atapapa itra opuar a atuhe yava. Tini anu tatu ito mano opu ohu. Mano opu ohu. Mademoiselle Burke. Votre vote sur notre avis. Là, on est en train de se prononcer sur l'amendement qui est retiré. On vote sur l'avis. L'amendement est retiré. On n'en parle plus. On ne vote que sur l'avis. Ah, mais il n'y a pas de discussion. La discussion, elle a eu lieu. Votre vote. D'accord. Je voudrais juste dire que j'aurais souhaité qu'il y ait une distinction entre la propriété du contenant et du contenu sur Mururoa. C'est vrai qu'il est important de restituer Mururoa, hein, mais pas les déchets qui y sont, c'est-à-dire le contenu. Il aurait fallu introduire quelque chose là-dessus. Néanmoins, puisque la volonté est de soutenir la rétrocession, c'est symbolique, je vais voter pour. Voilà. Madame Bob Dupont-Amara. Pour. Monsieur Bissou Jean-Christophe. N'ayant pas reçu les réponses au questionnement sur les garanties, je vote contre. Contre. Madame Brodin-Rosine, absente pour question. Madame Chavé-Daphné. Madame Chavé-Daphné. Madame Cross-Valentina. Il faut inéo. Monsieur Jacques Hidrolé. Bon, on va aller. Monsieur Flos Gaston, absent pour création, monsieur Edouard Fritsch. Contre. Madame Fribourg-Joël. Pour. Monsieur Frigédoire. Contre. Madame Galland-Minari. Pour. Monsieur Anderson-Georges. Madame Hichon-Lontéa. Madame Irtiteura, absente. Monsieur Madame Isalé-Fara, absente pour création, monsieur Comité Niruni. Contre. Madame Jennings et Tony Patricia. Monsieur Côté Benoît, absent pour création, Madame Fribourg-Joël. Monsieur Comitini René, contre. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamato et Victor. Madame Anoute Lévi Agami Sandra. Madame Maria Emma, absent. Monsieur Marie Uratena. Madame Marie Tregui Mairoto Lilian. Madame Matawa Leoni. Monsieur Matao Mairon. Madame Mati Juliana. Madame Merceron Armel. Madame Olivier Marise. Madame Opa Afouanik, absente pour création. Madame Juliana Mati. Madame Parker Eleanor. Monsieur Pauliette Kinoui. Contre. Monsieur Rapoto Jean-Marius. Pour. Madame Richton-Monique.
Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Absent. Monsieur Romataro Fernand, pour. Madame Sage Maina, contre. Monsieur Chil Philippe, absent. Madame Tama Françoise, pour. Madame Pani Thérèse, Monsieur Tanso Robert, absent. Monsieur Tjunturoro, absent. Monsieur Tefari Rehiloïdi, Monsieur Temehari René, absent. Monsieur Telmate Ruben. Monsieur Tripayam Mita, absent pour grâce à Monsieur Alpha Théari. C'est pour. Ok. Ah oui, donc. Donc, Tripayam Mita, absent. Madame Teruata Sylviane, absent. Madame Tétonou Ilana, absent pour grâce à Madame Richton Monique. Madame Théoura Justine. Monsieur Tongson Gaston, absent, donc procuration à Monsieur Alpha Théari. Monsieur Touahou Ismaël. Madame Tuchobia Catherine, absent, procuration à Madame Marise Olivier. Monsieur Outia Damas. Madame Vernon Béatrice, absent, procuration à Monsieur Tekinou et Paulier. Monsieur Vernon Clarence, absent, procuration à Monsieur Taina Maréva. Ei turata mai tira noni ai te nei opuar a e mahuru mahitu tia o te mai ti te nei mana don 47 votants ini ai te nei mahuru e mahitu ho e ti fa e mhuore no une abstention ho e huru e maono te patoi 16 voix contre et toru huru te fa ri 30 favorables. Womana te nei opuar a tatatoi te ye maruru mai te. Narira, Edouard Fitch, Harmeo Jean-Christophe Buissou. Monsieur le Président, nous pensons au Tahoeira Huiratira que nous aurions pu agir autrement sur cette proposition de loi. Je veux parler de notre Assemblée et des responsables politiques de ce pays. Nous avons discuté du budget en fin d'année dernière et nous avons pris la température des finances de ce pays. Et je crois que le vice-président, seul rescapé de la bande, en est bien conscient. Dans 3 mois, nous allons aux élections présidentielles. Je ne sais pas qui va sortir des urnes, mais franchement, vous ne croyez pas que l'on aurait pu aller discuter avec les candidats pour essayer de trouver un moyen qu'au travers de ces îles Fangataufa et Moruroa, nous ayons pu récupérer quelque chose pour nous aider à reconstruire notre pays, à redresser la situation financière de ce pays. Aujourd'hui, votre majorité se prononce sur une restitution de ces îles pratiquement au franc symbolique. Alors que dans le rapport, dans tous les écrits que vous connaissez, vous savez très bien que récupérer la propriété de ces îles comporte demain une responsabilité importante vis-à-vis de nos populations. Je trouve que, encore une fois, nous avons traité par-dessus la Manche un problème pourtant qui touche notre pays et l'avenir de nos enfants. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à cette résolution. Nous avons voté contre l'avis que vous avez donné parce que nous estimons qu'encore une fois,
On a été nuls sur ce coup-là. Merci. Maruro, Jean-Christophe Buissou. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous avouer que, avant le démarrage de notre séance, nous étions plutôt enclins de travailler sur l'évolution du projet de texte, en espérant qu'après nos interventions, il serait pris en compte deux grands points d'interrogation que nous avons mis en avant, sur notamment les considérations touchant aux garanties, et au-delà de ces garanties, sur également la pérennité du suivi de ces sites. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Je rajouterai que, bien au contraire, du débat qui s'est tenu ce matin et des propos tenus sur le banc du gouvernement, nous avions plutôt l'impression que l'objectif non avoué dans le texte, mais avoué finalement dans le débat, allait bien au-delà de la considération du retour de ces atolls et touchait au fait de mettre sur le banc des accusés, une fois de plus, l'État français. Vous comprenez que cet objectif, que je peux comprendre sur le plan idéologique, d'un côté, on ne peut pas, en ce qui nous concerne, le soutenir. Voilà pourquoi nous avons décidé de voter contre le projet, tout en se disant, bien entendu, que ce débat n'est pas clos et qu'il faudra forcément un jour qu'il y ait un projet de texte qui puisse accorder tout le monde. Merci. Maruru, Vito Mamatua. Maruru, Metei. Peti ni pia pora hai e maru mo te no tata to mai dai te man te tu mo te dira a ta pro amu e te mana o te mo tu ia ni e ia mai ti tata ita ita tu ia papu mo te ito tata nu ai te mana e oi ma te ye ti are ni ia no te imira te mo rawe ato ya fama ite mar mar mo ido tu ite mo tam tam tra atu mu te itu pur tu ito tatu finu ere mitai pro ti pe ne pre tin ere ti hi pa moni no ata e hi a moni te ora otu enu no te dira te uida te tu mu te dira pa urhei i mai ti ti opor ature ya nen he tatu e ha amata i te tua tapapa, e mana o noa te ie i te tatatu e whaheti te bebe, te whaotida, te whran, ai te tatu i te ha taratu whaotida e rawe, e mana o ra, te mahana, wo i te ratu i te mana o, te pae au rei o te nuna, te whinu, maruru. Maruru mai te, te aninea i tō tatu papai prorhei, a te o meit morata i te mei o tatu, Te prete tini o perihia i te atoara o te mou tia i roto taratu pui prau. Te tapura o te mou ratai te teme i te apura rei no te piti horuma oe no te tema e te atu i te horuma oe no te nuare piti tau i tina horuma piti. Maruru mai tei, watai tatoi tope au tatatu rurur a. Pora ho e meiri ahuru e mapa miniti te ene. Maruru mai tei no tō tatou wharere rā. Te opanirawai tatatu rurur a. La séance est close. Yorana.